Dis quand il commence à y avoir du monde. Attends, bouge pas, je vais faire la pub. Ouais, ouais, comme tu. Comme ça, moi, je vais commencer à dire bonjour aux gens. Tiens, passe-moi mon. Ah non, ça tourne. Ouais, ça tourne, t'inquiète. Bienvenue à tous sur Civicio, les amis. Bienvenue à tous sur Civicio, les amis. Exclusivité avec Jérôme Rodriguez. Petite interview, on laisse le temps aux gens de rejoindre tranquillement. Est-ce qu'on le voit bien? Est-ce que tout est ok? Le cadre est bien? Ok. Bienvenue à tous sur Civicio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une spéciale, on va dire. Jérôme a pris un peu de temps aujourd'hui pour discuter avec moi. On va parler, on va faire le point un peu sur bientôt 5 mois du mouvement des Gilets jaunes. Depuis ce fameux 17 novembre, on va faire le point un peu chronologique sur tout ce qui s'est passé, revenir sur les événements un peu marquants et puis parler aussi un peu de l'avenir, forcément. Je vais laisser encore quelques instants pour que vous puissiez rejoindre, partager autour de vous, pour qu'un maximum de gens puissent aussi en profiter. Il y a du monde là sur le... Il y a combien de personnes? 180. Bienvenue à tous en tout cas sur Civicio. Jérôme est en train de partager en même temps. Ouais. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est ok? Tiens, parle Jérôme pour qu'on voit si on t'entend bien. Vous m'entendez bien là, les amis? C'est où que je regarde? Là, là-bas. Là-bas? Ouais, c'est là-bas. La famille, on m'entend bien? Ouais, parce qu'il y a deux téléphones, on essaie de faire des trucs un peu techniques, des plans, etc. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est parfait. C'est parfait? Super. C'est quoi Civicio? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Facebook. Facebook, Civicio sur Facebook, vas-y, il y a des gens qui me demandent sur le... Qui te demande? On est sur Facebook, Civicio, C-I-V-I-C-I-O. N'hésitez pas à partager pour ceux qui rejoignent, qui connaissent pas forcément la page. C'est la première, ouais. La première là? Ouais, c'est ça. Alors, you not like. Il est là. Là. Voilà. 330, ça monte. Bienvenue à tous sur Civicio, les amis. Interview avec Jérôme Rodriguez. On va démarrer d'ici quelques instants. Comme je disais, on va faire le point sur le mouvement, depuis vraiment le démarrage du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre. On va revenir, comme je disais, sur quelques événements marquants. Là, Jérôme est en train de partager autour de lui. Tu veux charger? J'ai une batterie portative si tu veux. Attends, je mets juste le lien pour les gens. Vas-y. En tout cas, salut à tous. J'ai pas le retour com avec moi. C'est pas grave, je te prends pas la tête s'il y a des... Ouais, mais pour l'instant, là, après, je lui passerai le micro quand il parlera, on échangera le micro. Là, pour l'instant, il est en train de partager, donc vous inquiétez pas. Voilà, j'ai mis le lien sur ma page. Tac. Alors attends, faut juste que je fasse un dernier truc. Hop. Ah merde. Petit problème technique. On casse tout. Attendez, il y a juste un petit truc qui est tombé par terre. On ramasse ça 2 secondes et on va recadrer l'image, etc. Ouais, c'est ça. Bienvenue à tous sur Civicio, Jérôme Rodriguez qui casse tout. Il casse l'appareil, tout. Non, on va démarrer, vous inquiétez pas, quelques instants. Ouais, dis-moi, essaye de recentrer l'image. Hop, voilà, c'est bon. J'ai appelé ma communication pour qu'elle s'occupe de repartager, etc. Tac. Et voilà, nickel. Comme ça, là, on est en gros plan. Super. Là, c'est bon ou pas? Attends, c'est le pied en fait. Là, comme ça. C'est mieux?
En fait, tu peux tourner le truc comme ça, regarde. Voilà, c'est ça. On voit bien ? Nickel ? C'est parti ! Bon. Je te laisse te présenter. Ah bah, Jérôme Rodriguez, gilet jaune, et bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans. Alors du coup, comme je disais, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on va faire le point un peu sur le mouvement. On va faire le point sur les événements un peu marquants depuis le début du mouvement des Gilets jaunes du 17 novembre, qui part à la base du carburant, taxe sur le carburant, les gens qui se mobilisent un petit peu. Première manifestation. Toi, qu'est-ce qui t'a fait un peu te déplacer, t'engager? Je pense que personnellement, déjà, dans ton expérience personnelle, dans ta vie perso, t'as dû aussi vivre des choses qui t'ont amené à t'engager. À vivre des choses et à voir les choses aussi telles qu'elles se passent. C'est-à-dire à partir du moment où tu arrives à avoir une certaine conscience politique et d'appréhender ce qui se passe un petit peu autour de toi et surtout de l'étudier, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc après, quand tu es tout seul à la maison et que tu t'amuses à mettre quelques messages politiques sur Facebook ou quelques ressentis sur ce qui se passe, tu t'inscris déjà dans un mouvement contestataire et les Gilets jaunes n'ont fait que révéler ce que moi je vivais tous les jours au plus grand nombre. Et c'est ce qui a fait descendre les gens dans la rue en tous les cas. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené derrière? Parce que ce qui t'a fait connaître aussi, c'est le fait que tu sois dans la rencontre, que tu échanges beaucoup avec les gens, que tu sois beaucoup sur le terrain. Tu t'es mis à filmer. Tu peux m'en dire deux, trois mots? Après, à la base, quand je suis descendu dans la rue avec l'ensemble des Gilets jaunes, c'était surtout aussi pour donner de la voix, être présent. Être présent et essayer d'aller au bout de mes convictions et de par le nombre montrer qu'il y avait un problème en France. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien faire aussi des petits montages vidéo, j'y allais avec ma GoPro à l'époque pour pouvoir faire quelques petits montages. Je ne connaissais pas le phénomène des lives. C'est que par la suite que j'ai vu qu'on pouvait faire des lives et que c'était beaucoup plus sympa pour pouvoir relayer les informations ou relayer ce qu'on était en train de vivre. Parce qu'au final, je me considérais à partir de ce moment-là comme un témoin acteur de ce qui se passait. Témoin de par la retranscription du phénomène et de faire en sorte que les gens qui restent chez eux puissent connaître le mouvement et essayer de le partager au plus grand nombre, et acteurs parce qu'on y participait, quoi qu'il advienne, ne serait-ce qu'en marchant le samedi, comme le plus grand nombre. Alors du coup, forcément, après, toi, ça t'a amené à te faire connaître aussi, t'as commencé aussi à être visible aussi sur les plateaux télé, les gens qui ont commencé un peu à te repérer, t'as été aussi beaucoup identifié dans le mouvement, pas mal de gens se sont mis à te suivre de plus en plus. T'es devenu aussi quelque part un repère pour certaines personnes. Qu'est-ce qui a amené un peu tout ça? Parce que c'est quelque part un peu malgré toi, même si ouais, t'as beaucoup de bagou, on va pas se cacher. Clairement, tu parles plutôt bien et ça plaît beaucoup aux gens. Parce qu'il y a pas mal de personnes, moi je le vois sur le terrain. Des fois je leur dis ouais, vous voulez discuter un petit peu? Parce que justement j'essaie de prendre d'aller recenser la parole chez tout le monde, tu vois. Et voilà, c'est ça qui est important. Et malheureusement, il y en a qui n'osent pas s'exprimer. Et souvent, ce qu'on me dit souvent, c'est je sais pas dire, je parle pas bien. Qu'est-ce qui t'a facilité les choses? Qu'est-ce qui a amené tout ça? Oui, je parle bien. C'est quelque chose que tout le monde connaît, mais c'est pas une question de parler bien. C'est de faire en sorte, en fin de compte, je parle le français que tout le monde comprend au sein du mouvement. Tu vois, quand tu vois ces politiques qui utilisent des mots où on ne comprend rien, des chiffres, des espèces d'enchaînements de lettres, où les mecs sont plus audibles. Au final, nous, on parle concret. Donc forcément, quand on parle concret sur ce qu'on vit tous les jours, au jour le jour, quelle que soit la catégorie à laquelle tu t'inscris, tu te reconnais dans les paroles. Parce qu'au final, on donne des exemples concrets. Et ça parle aux gens. Donc les gens s'inscrivent dans cette parole. Tu vois, je ne suis pas le seul, hein, y en a plein quand tu écoutes les gens. Et au final, de rentrer dans le mouvement, j'avais bien senti qu'il y avait un problème en France. Mais le fait de que tout le monde vienne me parler, me raconter les petits problèmes du quotidien, tu t'aperçois qu'il y a vraiment un réel, réel problème en France. Que les gens, il y a beaucoup de gens qui vivent quand même la misère tout en travaillant. Parce que tu as cette fameuse rengaine là que tu entends dans le mouvement, que ce sont que des chômeurs ou des RSA. Non, tu as énormément de gens qui travaillent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui vivent dans leur bagnole. Et c'est pas normal en France en 2019 d'avoir un boulot et de pas vivre de son boulot. Donc toutes ces remontées d'informations que j'arrive à retranscrire aussi bien à l'échelle des médias ou à l'échelle des rencontres que je peux avoir ou l'échelle des jaunes ou des gens que je rencontre dans la rue, ça me nourrit pour pouvoir aussi expliquer aux gens pourquoi on est là et pourquoi les gens sont là. Tu vois? Et c'est ça. J'essaie pas de vendre un rêve. Hein. Parce que avoir du bagou, avoir de la tchatche, j'aime pas trop. Ça veut dire que c'est limite péjoratif, parce que avoir du bagou, avoir de la tchatche, c'est ce que Macron a, parce qu'il essaie de te vendre un rêve, que personne adhère. Moi, j'essaie de remonter la parole de ceux
du mouvement et des gens que je rencontre. Parce que pour pouvoir parler, il faut connaître. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais tu parles pas de ça, tu parles pas de ça. » Oui, mais je peux pas parler de ce que je connais pas. Tu sais que mon premier objectif, quand je viens sur devant une sucette au final, c'est de faire en sorte que les gens ne passent pas pour des cons. Que moi je passe pour un con, je m'en branle. Tu vois ? Mais que les gens ne passent pas pour des cons. Que cette parole et cette volonté de changer les choses soient bien retranscrites. C'est pour ça. Et du coup, quelque part, la différence, c'est que moi, ce que je remarque un peu dans ce que tu dis, c'est il y a un outil, il y a des compétences, il y a une possibilité. Je peux en faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et toi, tu t'en es servi pour faire quelque chose de bien. Mais tout le monde s'en sert aujourd'hui. Tu vois ? Dans le mouvement, tout le monde s'en sert. En tout cas, tous ceux qui sont très actifs à leur niveau, même les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir sur la manif et qui vont être derrière leur écran pour pouvoir relayer, tout le monde est utile, tout le monde a besoin de sa petite pierre. Beaucoup marchent dans l'ombre, mais encore eux qui sont là, tu vois. Parce qu'au final, tu t'aperçois de quoi ? C'est ça qui fait la force aujourd'hui du citoyen français, du peuple français, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est qu'on est hyper compétent, on est hyper polyvalent, parce qu'on a su s'adapter. Pour des primo-manifestants, pour des gens qui ne sont jamais descendus dans la rue, on a su s'adapter, adapter nos compétences et notre polyvalence pour faire en sorte que ce mouvement aille au bout des choses. Donc tout ce qui est dans la construction de manifs, dans la construction d'actions, sur des renseignements pris sur la politique, sur la connaissance des gens qui composent le mouvement, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est des gens hyper intelligents. Nous, on le savait. Nous, on le savait. C'est eux, là-haut, qui ne savaient pas. Ils ont pris pour des moutons des gens qui réfléchissaient pas, qui embauchaient à 8h du matin, qui rentrent à 17h, qui se mettent devant la télé avec leur beefsteak et qui regardent Hanouna et que tout passe et qu'on s'en fout du voisin. Mais nous, on savait qui on était. Eux, ils n'ont pas compris ce qui leur arrive. Et c'est pour ça qu'au final, à force de nous diviser, il y avait quelque chose qui nous regroupait, c'est le mal-être. Et tu regardes bien, en fin de compte, aujourd'hui, l'humain ne se rejoint que dans la douleur. D'accord ? D'ordre général, tu prends les attentats du 13 novembre. 4 millions de personnes sur Paris le dimanche. Ouais, c'est vrai. On s'est réunis dans la douleur. Tu prends l'exemple de Johnny. 1 million de personnes sur Paris. On s'est réunis dans la douleur. Et tu regardes dans les familles. Tu t'embrouilles avec ta famille. Tu fais un mariage. Tu as 2-3 cousins, 2-3 tontons qui viendront pas parce qu'il y a embrouille de famille. Mais quand quelqu'un décède, ouais, tout le monde vient. Tout le monde vient. Tu vois ? Et je vais me laisser aller un petit peu. Moi, quand il m'arrive mon accident, je n'avais pas vu une frangine depuis 15 ans. Parce que comme dans chaque famille, il y a des soucis. Et je n'avais pas vu ma soeur depuis 15 ans. Et le fait de ce qui m'est arrivé, on a repris contact. Tu vois, et tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est toujours dans la douleur qu'on arrive à... Et ça fait tellement longtemps en France qu'on est dans la douleur, qu'on est dans la souffrance. Pour une grosse majeure partie des citoyens, et on a su se retrouver. Maintenant, ce côté négatif, il faut le transformer en positif. Pour plus qu'on aille à se rejoindre dans la douleur, mais qu'on se rejoigne dans le bien et dans l'action du bien. Et ça, il faut emmener les gens, de transformer ça. Ok, aujourd'hui on souffre, mais on va se battre pour ne plus souffrir et faire en sorte surtout que nos enfants ne connaissent pas ça. On reviendra un petit peu après sur du coup ce qui t'est arrivé, sur ton œil, etc. Moi, du coup, là, tu t'amènes bien la transition, la répression, quelque part aussi. Très rapidement, le mouvement, il y a eu pas mal de violence. Il y a eu aussi du côté des manifestants. Parce que les gens, quand ils se sont révoltés, qu'ils sont sortis dans la rue, à un moment, quand tu te fais pas entendre, il y a de la tension. Il y a eu une stratégie d'épuisement. Parce que dès le départ, en fait, au bout de la deuxième mobilisation, on te disait déjà que les chiffres étaient en baisse, que ça ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de revendications, etc. etc. Moi, je trouve que c'est assez intéressant pour les gens peut-être qui voient ça un peu de très loin. Comment vous avez, parce que quelque part, je dis vous, je parle de toi, je parle d'Eric, je parle des personnes qui se sont un peu démarquées, dénotées dans le mouvement. Comment vous avez commencé à construire un peu ce réseau avec les gens autour de vous pour développer un peu tout ça? Vous avez commencé à lancer des appels, mettre en lien des gens. Comment ça s'est lancé un peu tout ça? Avant de parler, de rentrer dans la violence, de la répression, du concret, de ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il y a eu tellement d'actes qu'il y a plein de choses à dire. Mais le point de départ, un peu tout ça. Alors, il y avait un truc qui me gênait dans le mouvement, c'est qu'on avait des têtes d'affiche au départ, d'accord? Et j'ai pas peur de le dire parce que je l'avais déjà dit, j'avais du mal avec eux. Parce que, tu vois, moi, j'ai pas une culture littéraire d'école avec les Baudelaire, les machins, j'ai une culture populaire. Et quand tu reprends un film que tout le monde connaît, ou du moins beaucoup de gens qui connaissent, t'as cette fameuse phrase qui disait « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ».
Ça vient de Spider-Man. Quand l'oncle dit à Spider-Man, parce qu'il avait dû comprendre qu'il se passait quelque chose. Et au final, j'avais l'impression que ces personnes-là, ces têtes d'affiches qui ont lancé le mouvement, qui ont mis un petit peu les initiateurs du mouvement, n'avaient pas pris en compte les responsabilités qui leur incombaient de faire descendre des gens dans la rue. Et ça passait dans un premier temps par l'information. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais le premier emmerdé à ne pas savoir où manifester. Où aller, quoi faire, vers qui me tourner, vers qui m'adresser. Oui, puisque c'était non déclaré, que les gens venaient un peu partout, il y avait des appels un peu lancés comme ça, et fallait aller fouiner pour savoir où c'était. Et voilà, et qu'à défaut d'avoir une uniformisation de l'information, tu avais de la multi-information qui... Et j'avais remarqué un truc, c'est que quand tu regardes le mouvement, c'était quand même, allez, au bas mot, 75% minimum de provinciaux. Des gens pour qui n'avaient jamais mis les pieds à Paris la première fois. Combien de provinciaux j'ai pu croiser dans les rues de Paris quand c'était un peu le bordel et que tout le monde allait partout ? Des gens perdus. Moi, je me souviens, la toute première fois on s'était croisés, c'était à Châtelet. Je sais pas si tu t'en souviens. À Châtelet, je crois que ça devait être l'acte 4 ou 5. Et il y avait les baqueux qui tournaient autour de la place. Ah, ou peut-être, oui, après l'acte 6. Oui, t'as raison, je dis des conneries. Après l'acte 6. Oui. Et on s'était croisés et ils tournaient autour et tu disais aux gens de ne pas rester statique. Et tu faisais des tours comme ça sur la place et tu relayais aux gens, faut aller là, la manif va être là, etc. Je me souviens aussi à l'époque, je m'en souviens. Et au final, tu vois, j'essayais moi de prendre contact avec justement cette tête d'affiche pour essayer de retirer des informations. Parce que du fait de faire des lives, je commençais à avoir, comme on dit, des followers, ouais. Hein, ou des abonnés pour parler français, qui eux aussi étaient demandeurs. Et je m'aperçois de quoi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de retraités désireux de marcher et de revendiquer, et plein d'autres aussi, des personnes à mobilité réduite, qui eux aussi voulaient avoir des informations pour pouvoir marcher en sécurité aussi. Donc, au bon an mal an, j'ai pu avoir Eric au téléphone, j'ai pu avoir certaines têtes au téléphone, commencer un petit peu à uniformiser les informations et d'avoir ce suivi, tu vois. Alors aujourd'hui, je retire un petit peu ce que je dis, c'est que quand je vois ce qui m'arrive avec le nombre de coups de téléphone que je peux recevoir, tu vois, hier j'ai pris 89 appels. 89. J'ai compris que oui, forcément, à l'époque, les gens ne pouvaient pas tous me répondre. Donc bah, j'ai travaillé seul, j'ai essayé de faire les choses seul, de trouver les informations pour pouvoir les relayer, pour que les gens puissent manifester correctement et faire aussi un petit peu évoluer le mouvement et surtout les manifestations. Parce que moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de faire en sorte que ces personnes-là, désireux de marcher en sécurité, puissent le faire. Et du coup, de là un peu les manifestations déclarées, ouais. C'est ce qui a été un peu la raison de tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de répression dès les premiers actes. Ça a été extrêmement violent, dans un sens comme dans l'autre. Tu veux en dire deux, trois mots, peut-être ? Après le truc, c'est que on vient revendiquer, on vient exprimer un mal-être, on est dans la rue, on vient le crier, on vient le gueuler, si tu veux, d'accord ? À défaut d'être écouté, à défaut de mettre en place des leviers qui puissent faire en sorte qu'on travaille pour nous, que le gouvernement travaille pour nous et non pas pour les plus riches ou les plus grandes sociétés, ben on reçoit quoi ? On reçoit des coups dans la gueule, d'accord ? Moi, je prône énormément l'humain, d'essayer de recentrer l'humain au milieu des choses, d'accord ? À un moment donné, un humain, quand il prend des baffes dans la gueule, Il va pas en prendre tout le temps. Hein. Ça fait 40 ans qu'on en prend, on vient donner de la voix, on en reprend encore. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Donc je ne cautionne pas la violence, mais je peux l'entendre et la comprendre. D'accord ? Qu'on me jette la pierre, si un jour un mec il s'en prend une dans la gueule, s'il réplique pas non plus. Ouais, ça s'appelle être humain simplement, quoi. Tu vois ? Ça s'appelle un ressenti, c'est de la façon dont on vit les choses. On est quand même des animaux évolués, hein. Quand tu te fais mordre, tu vas mordre. Hein. Tout simplement. Et ça, ils l'ont pas compris. Donc ouais, ils ont continué leur répression, ils ont continué le pourrissement du mouvement, d'arrêter les gens. Mais c'est à ça que tu sers. T'as un président aujourd'hui de la République qui se dit légitime de par le vote, si tu veux mon ami, mais aujourd'hui t'as perdu ta légitimité dans deux cas. Le premier, c'est que t'es pas à l'écoute de ton peuple. Et le deuxième, à défaut d'être à l'écoute de ton peuple, tu lui pètes des yeux, tu lui arraches des mains. Tu crois que les gens ne vont pas s'énerver ? Moi je sais pas, hein, si on s'en prend à sa femme, il va rester cool, il va dire ouais bon, je rentre à la maison, j'arrête de manifester. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'à un moment, quand tu vois ton frère, tu vois ta mère, tu vois un pote d'enfance, un mec, mais il n'y a pas que ça. Moi, je voyais beaucoup de gens qui me disaient... Voilà. Fiorina, 20 ans, les gamins. Ils ont leur vie déglinguée, parce qu'ils ont un œil en moins. Tu vois ? Tu veux réagir comment ?
comment tu veux que les gens réagissent? Alors, je suis pas un psy, j'ai peut-être pas les compétences pour analyser la chose, mais je suis assez compétent pour me dire que, oh, on te pète un œil, à un moment donné, tu vas pas tendre l'autre joue. Hein. Et ça, ils l'ont pas entendu. Parce qu'on parle de violence policière. Ouais, mais orchestrée par le gouvernement. Parce que c'est eux qui les mettent là, pour se protéger eux-mêmes. Tu vois, parce que là aussi, il y a des humains derrière les casques. Hein. Faut pas oublier, hein. Puis les mecs, ils ramassent lourd. Hein. On ramasse lourd tous les deux. Donc, en fait, tu as deux victimes dans cette histoire. T'as les gilets jaunes qui manifestent, puis t'as les policiers qui en prennent plein la gueule, et pendant ce temps-là, bah, t'as le gouvernement qui se gave et qui ne veut pas nous écouter. T'as vu ce qui s'est passé hier? On va au Sénat. Pour une fois, on nous ouvre les portes de la démocratie, on nous ouvre les portes d'un palais qui appartient aux citoyens, parce que ça nous appartient, le Sénat, pour pouvoir discuter, échanger, d'accord ou pas d'accord. On nous prétend qu'on n'est pas assez... expert en la matière pour pouvoir discuter de ce genre de sujet. Et encore, je trouve que là t'es gentil quand tu dis ça, parce que ce sont même pas les propos. Les propos de Bruno Lumaire sont encore plus tranchés, je dirais, que ça. Tu te rends compte? Et pourquoi? On se sent pas concerné? En quoi on se sent pas concerné? On sait pertinemment que c'est des trucs qui ramènent du pognon, qui peuvent servir à l'État et à l'amélioration des services publics. Hein, puis on a vu ce que ça a donné avec les autoroutes. Par contre, les mecs ils se gavent et on les a vendus, on aurait pu les garder, on se gaverait nous, peut-être que les choses iraient peut-être un peu mieux. Tu vois, il y a des gens qui disaient on vend pas un truc qui rapporte de l'argent, quoi. Puis une entreprise n'achète pas un truc qui rapporte rien non plus. Ils disent je suis commerçant, tu vois, c'est la grande tendance sur je me fais des millions même sur le dos des gilets jaunes. Mais moi j'ai jamais vu un commerçant qui revend son boui-boui quand ça tourne bien, qui mange à sa faim. Hein. Tu vois, faut pas à mon nez, faut arrêter les conneries. Et d'autant plus qu'aujourd'hui on nous prend pour des terroristes, on nous prend pour des incultes, des analphabètes, des antisémites, enfin bref, toute la tas de conneries qu'on peut nous sortir inimaginables. Pour nous empêcher de discuter, pour une fois qu'on nous ouvre la porte, on nous en empêche au dernier moment. Elle est belle la démocratie selon Macron. Hein. Elle est vraiment magnifique. Parce que là, on se bat pour avoir une nouvelle démocratie. Ben, on n'arrive même pas à tenir celle à laquelle on a le droit aujourd'hui. Parce qu'on a un mec qui se prend pour Dieu le Père, qui a l'ivresse du pouvoir, et qui nous dit juste, vous taisez, nous on va gérer. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et du coup, pour en revenir un peu aux manifestations, cette violence, cette répression, le fait qu'il y ait une non-réponse du gouvernement, ça a amené aussi forcément une certaine peur, parce que c'était la stratégie. Je veux dire, il faut pas oublier qu'au début du mouvement, je crois qu'on a tenu quand même des records d'interpellations en amont des manifestations. Parce que je me souviens très bien, moi, à cette époque-là, je regardais encore un peu la télévision. Et... Ouais, non, mais tu vois, en fait, moi, j'ai toujours aimé regarder parce que ça me permettait de faire le ratio entre la réalité du terrain et ce qu'on dit. Et quand je voyais, je partais le matin, à 9h30, 10h, je voyais des chiffres style 5000, 6000, 8000. Et puis chaque semaine, le nombre d'interpellations en amont, c'est-à-dire avant même que les gens soient arrivés, augmentait. Ouais, mais là, t'as de la répression à la manifestation. Mais la manifestation, la répression, elle s'opère sur plein d'autres domaines aujourd'hui. Tu portes un pinch. T'as 135 euros d'amende, les ronds-points se font sauter les uns après les autres, et maintenant qu'ils ont fini de sauter les ronds-points, ils coupent les têtes de certaines coordinations régionales où des gens arrivent à s'entendre pour fédérer et monter des actions, et bien ils coupent les têtes. Moi j'étais en Haute-Vienne à Saint-Dizier il y a quelques vendredis en arrière, ils ont arrêté 9 mecs, mis en examen et tout le tralala. D'accord. Tu vois? Donc on en est là aujourd'hui. Ça va même encore plus loin que ça, parce qu'il y a des personnes qui se font pirater leur portable. Il y en a qui se font censurer sur Facebook. Il y a des personnes qui se font suivre. Il y a des gens à qui on met la pression en l'envoyant. Moi, je reçois parfois des messages d'insultes, des gens qui mettent la pression, tu vois, un petit peu. J'en parle pas souvent parce que j'aime pas faire, d'étalage, mais je pense que toi aussi, t'as dû recevoir ce genre d'insultes, de menaces. Des trucs dégueulasses. Moi, ça va, je suis pas le mieux servi. Hein, quand je vois Eric ce qu'il prend dans la gueule, ça va. Mais alors, moi, le pire, c'est qu'il s'attaque à ma famille. Tu vois ? Ils insultent ma sœur, ils insultent ma famille. Moi, j'ai pas plus que ça, tu vois. Mais ouais, c'est à se demander d'où ils sortent, ces gens-là, quoi. D'où ils sortent. Parce que je vais te dire un truc, ils sont quand même bien dégueulasses. Hein. Parce qu'ils me racontent des conneries, quand même, sur mon œil, que je mériterais de me faire péter le deuxième et tout, tu vois. Ah, ouais. Ah oui. À un moment donné, si ces gens-là, qui ne font pas partie du mouvement, bah, eux, qui passent à autre chose et qui arrêtent de nous emmerder. Mais quand t'as des gens du mouvement qui viennent t'insulter, d'accord, s'ils mettaient autant d'énergie dans la méchanceté et dans la méchanceté, leur énergie à dénigrer le mouvement, putain, il y a longtemps qu'on aurait gagné la bataille s'ils le mettaient au service du bien. Hein.
Parce qu'il y a quand même des mecs qui sont quand même vachement créatifs pour la méchanceté et pour la méchanceté. Hein. S'ils pouvaient être créatifs pour le bien, on serait même pas dans la rue, on parlerait pas ensemble parce que tout irait bien dans le monde. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout le monde sortirait, tout le monde se bougerait le cul et ça se passerait très bien. Ben ouais, mais c'est incroyable le ramassis de méchanceté et de conneries que tu peux entendre. Hein. Et du coup, pour sécuriser les gens, il y a eu cette volonté de rentrer sur des manifestations déclarées, apporter plus de tranquillité et puis pour la mobilité réduite. Ils ont bien fait leur truc parce qu'ils ont suscité la peur chez les gens. Ils ont suscité la peur pour pas faire en sorte que les gens descendent dans la rue. Alors tu vois, par contre, il y a eu une bascule le 16 mars. Et ça m'a fait plaisir, c'est que les gens n'ont plus peur. Pourquoi selon toi ? Bah parce qu'à un moment donné, on arrive au jusqu'au boutisme. Est-ce que le rapport de force s'est pas inversé aussi ce jour-là ? Parce que moi, j'ai aucune honte à le dire et c'est assumé. Pour moi, ce jour-là, les forces de l'ordre ont été tenues en respect par les manifestants qui étaient présents sur place à plusieurs reprises. C'est la première fois où j'ai vu les policiers reculer de plusieurs centaines. Non, mais il y a eu sur les premiers. Je te parle après les premiers actes, parce que pour le coup, les premiers actes, on en parlait tout à l'heure, et oui, il y a eu énormément de violence, le rapport de force était extrêmement élevé, et c'est aussi ce qui a. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ça, mais moi, je trouve que c'est important quand même à dire. Même si c'est pas ça qui est important, la violence, c'est ce qui a permis dans les médias mainstream de faire entendre le mouvement. Malheureusement, hein. Malheureusement. Je l'ai dit, pas de casseur, pas de 20h. Sauf que. C'est bien, on parle de nous, mais ça nous dessert aussi parce qu'on ne parle que de ça. C'est ça le problème. Parce que tu vois, regarde, tu prends le 16 mars. Le dimanche matin, je me lève à 8h, mon téléphone prenait feu. Tout le monde me voulait sur un plateau. Et je sais très bien pourquoi tout le monde voulait sur un plateau. C'était pour parler de violence, uniquement de violence. Là, ça fait 3 actes où ça se passe relativement bien, on est d'accord ? Aller sur un ratio, pour 10 appels d'après le 16 mars, j'en ai eu qu'un. Là, c'est plus intéressant de discuter, là. Non, on m'appelle pas. On m'appelle pas pour venir sur un plateau, me dire, tout s'est bien passé, alors on va pouvoir parler revendications. On nous oublie. Moi, j'ai même fait un plateau de télé un jour, où la journée s'était moyennement bien passée, même beaucoup mieux que d'habitude. Il y a une pub qui passe, et t'as la journaliste qui dit quoi ? Putain, on n'a rien à raconter aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de violence. Et là, je la regarde, je dis, vous déconnez ou quoi ? Mais moi, j'ai plein de choses à vous dire sur les revendications. Tu te rends compte ? En fin de compte, le sang et le bleu payent. Parce que les gens ont le goût du sang. Mais qu'en est-il des revendications ? On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à donner de la parole. Ils préfèrent parler que de ça. Alors que pourtant, il y avait eu un bon coup de gueule sur l'acte 5-6. 6, quand il y avait eu justement l'appel avec Maxime Nicole qui avait fait un discours. Il y avait Maxime, il y avait Priscilla, etc. Qui avait fait un discours par rapport au RIC et en exigeant le RIC en toute matière, etc. Là on était dans le dur des revendications. À ce moment-là, c'est là où on a commencé à parler beaucoup du RIC, justement. Très rapidement, ils ont voté en disant que de toute façon on le ferait pas. De toute façon, ils nous donnent rien. Ils nous donnent rien. Tout ce qu'on peut revendiquer, on l'a pas. On n'a même pas été écouté. Il y a eu un vieil. Alors, allez, à titre comparatif, il y a eu l'acte 1 Macron, 10 milliards. Personne n'en a vu la couleur. De la fumisterie complète. D'accord ? Acte 2, un grand blabla. Ah oui, tu parles du des réponses qu'il a apportées où il donnait soi-disant un truc, la prime. Oui, oui. Du vent, du pipi de chat. Hein. Le mec, il a cru qu'il allait nous satisfaire avec 10 milliards quand il en donne 50 milliards à Carrefour, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il a répondu à la violence à ce moment-là. Ouais. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, tu vois, il y en a beaucoup qui disent la violence, ça sert à rien. Mais la violence a engendré beaucoup de choses. Hein. Si aujourd'hui, on est en démocratie, ça sort d'où ? Donc, il y a 200 ans, on n'a pas été la chercher avec des fleurs. Hein. Ben, je sais pas, ou alors on m'aurait menti à l'école. D'accord ? Même si on la cautionne pas, à un moment donné, la violence a engendré beaucoup de choses. La violence en France a fait que les journalistes peuvent s'interviewer et puis toi répondre librement, quoi. Parce que sinon, on pourrait pas le faire. Et ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup de celle-ci, on parle pas de la violence symbolique, celle que vivent les gens au quotidien, ceux qui vivent dehors. Invisible. D'accord ? Des gens qui souffrent à la maison, les malades, les chômeurs, les retraités, les femmes seules avec enfants, les handicapés. Là, il y a une violence.
Et je vais te dire un truc, hein, quand je fais la synthèse de toutes les remontées que j'ai pu avoir en discutant sur le mouvement, dans les manifs ou des gens que je rencontre un peu partout, c'est la solitude. Au final, les gens se sont retrouvés seuls. Seuls face à eux-mêmes, seuls face à leurs problèmes depuis trop longtemps. Parce que ce jeu de la division corporatiste au communautariste qu'on a pu mettre en place pendant 40 ans, je me rends compte que quand moi je vivais à la cité quand j'étais gamin, quand j'avais 12, 13, 14 ans, il n'y avait pas de Black, il n'y avait pas de Rebeu, il n'y avait pas de Renois, il n'y avait pas de Chinois, il n'y avait pas un musulman, je ne savais pas ce que c'était, tu vois. On était une bande de copains. Un ballon, ça nous faisait l'après-midi. Ouais, tu t'en foutais de un savoir sac, qui était quoi. Un sac de billes, un bac à sable, on était refaite avec ta mère qui gueulait à la porte de la cité, il faut rentrer les 19h. C'était comme ça que ça se passait. Tu vois, je l'ai déjà dit, moi, la maman d'un copain rebeu qui sortait avec son petit fichu, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à ma grand-mère au pays, catholique, qui ressortait avec son petit fichu pour aller au marché. Tu sais, t'avais pas tous ces problèmes qui nous ont créés pour diviser, pour communautarisme, pour nous monter les uns contre les autres. Tu vois ? Et c'est la force du mouvement. Aujourd'hui, le fait qu'on se regroupe, qu'on fraternise. Tu vois, on le dit souvent, on a récupéré la fraternité. Il nous reste deux batailles à vaincre aujourd'hui. L'égalité et récupérer cette liberté qu'on se doit d'avoir en France et qui englobe beaucoup de choses, comme la première qui est celle de pouvoir s'exprimer et de manifester. Alors bah, c'est bien, belle transition. Parlons des libertés alors. Parlons des libertés. On va arriver de là, on est en train d'arriver doucement. On est sur l'acte 7, 8. Bientôt on va arriver à ce qui t'est arrivé toi aussi. En termes de liberté, comment on peut considérer les interdictions de manifester? Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec... Maître Devol et Elie Beskin, les deux avocats de Robe Noire et Gilets Jaunes, ils ont énormément de personnes qui viennent parce qu'ils se retrouvent en garde à vue pour des trucs ahurissants. Les personnes qui se font embarquer pour rien, qui se font arrêter, comme tu parlais des amendes, des histoires, les médics qui se font emmerder avec leur matériel, des situations où tu as des personnes qui sont blessées gravement. Toi t'en as fait les frais aussi on empêche les pompiers d'intervenir. Des personnes qui se retrouvent nassées. Moi pour le coup je l'ai fait l'expérience. En plus vous devez le savoir pour le coup sur la chaîne. Des heures de nasse, ouais. Si je compte le nombre d'heures que j'ai passé enfermé dans un périmètre de allez, 50 mètres carrés, je pense que j'ai à peu près une semaine, tu vois. Une petite semaine de nasse tranquille. Ah si, franchement si. Si je compte à chaque fois c'est du 4 heures. Je me suis fait bloquer comme ça au moins 15-20 fois, tu vois. Donc il y a une journée, je crois que c'était sur l'acte 16. Je me suis 4 NAS dans la même journée. 4 NAS. Celle qui a fini sur il y en avait une à la rue de la Tour Maubourg. Ouais. Bah moi j'étais dans celle-ci. Après celle-ci, on s'est retrouvé sur les champs. Ensuite, ils ont renassé sur les champs. Et je sais pas si tu te souviens le matin de cette manif là. Ah mais les champs quoi qu'il advienne, c'était une nasse géante. Ah oui, c'est ça, ouais. C'était une nasse géante parce qu'on avait l'autorisation de manifester. C'est ça. Elle était déclarée, autorisée, elle devait partir de Kléber et les flics nous ont empêchés de manifester. La nasse du 16 mars, c'est la nasse la plus grande qui puisse exister. On devrait passer au livre des records, je pense. Surtout quand tu vois le nombre de personnes qui avaient mobilisé ce jour-là, c'était juste impressionnant. Là, la bascule, elle a été faite. C'est que les gens ont vu qu'on était massifs, nombreux, c'était magnifique, hein. Les images, elles étaient terribles, hein. D'accord. Et là, je pense qu'ils ont... La peur, elle est passée de l'autre côté. Que nous, par contre, on est juste des gens en colère, on n'est pas des violents. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas une manière d'une preuve de fragilité? Moi, je vois, par exemple, il y a quelqu'un... Qui est du gouvernement? Du gouvernement. De fragilité, d'incompétence complète. Pour laisser la merde comme ils l'ont laissé sur le 16 mars, c'est des incompétents complets. Castaner change de métier, garçon, parce que tu ne sais pas du tout gérer. Il a dit publiquement sur RMC que c'était une stratégie et qu'ils avaient volontairement laissé faire. Ah oui, bah parce que c'est eux les complices du pire. Et ils sont encore complices depuis 40 ans du pire. Sur tout ce qu'ils peuvent faire en France. C'est eux les complices du pire. C'est eux les dangers. C'est pas nous les dangers. Hein. Parce que de la façon dont ils fonctionnent, avec une incompétence certaine, et ne pas nous entendre, mais pourquoi ils font ça? Et ça c'est la question quand même, pourquoi ils font ça? Dans quel intérêt de faire ça? Parce que tu sais, au début du mouvement, il y a quelqu'un de ma famille qui me dit, ouais, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose derrière. Si ça se passe comme ça, c'est que, bah, au final, moi je disais, mais non, mais je commence à y réfléchir. Au final, il se passe quoi? T'entends cette fameuse bulle financière qui va encore nous éclater à la gueule en 2020?
En 2008, on nous a fait payer. On s'est tu. Hein, on a aligné, nous Français, on a aligné le pognon. Je crois qu'en 2020, ça ne marchera plus. Donc nous faire taire aujourd'hui pour nous empêcher de parler demain. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'aujourd'hui, la seule opposition, ce sont les gilets jaunes? Ouais, parce que tu n'as plus d'opposition en France. Elle est où l'opposition politique? Hein? Quand on nous dit que depuis le début du mouvement, l'ensemble des personnes politiques avec qui j'ai pu discuter ou avoir accès, comme les députés quand on avait été en face de l'Assemblée nationale, et que le mec, tu lui dis, mais vous pouvez rien faire pour arrêter un mec pareil? Vous ne pouvez rien faire contre un mec qui tire contre son peuple et qui dit non, on peut rien faire. Pourquoi on vote pour toi? Tu sers à quoi, mec? Ah, t'es beau avec ton écharpe, hein? Mais tu fais quoi de plus? Et qu'au final, hier, t'apprends qu'ils ont quand même un levier qui s'appelle le RIP. Tu vois? Alors, c'est déjà un minimum. Ouais, tu parles de la sénatrice hier, parce qu'il y a une sénatrice, Marie-Noëlle Lienemann, qui est sortie. Oui, oui, mais bah, elle est sortie. Elle a discuté avec Eric, avec quelques gilets jaunes sur place, parce qu'ils ont refusé, par rapport au refus de recevoir la délégation du rendez-vous qui était prévu hier. Ah, et ensuite, une annulation. Voilà, non, oui, c'est ça. Le rendez-vous a été accepté, ça a été prévu depuis une semaine, et ensuite, ça a été annulé au dernier moment. D'accord, bon, bah, tu vois, ça, je le savais pas. Moi, on m'avait dit une petite semaine. On m'avait dit une semaine à peu près. Pas plus que deux semaines. Voilà. Et du coup, annulation au dernier moment. Et ensuite, après qu'il y ait eu cette discussion avec la parlementaire, hop, on apprend une heure après. En plus, elle l'a dit en partant, qu'ils avaient une séance, etc. Hop, on apprend une heure après qu'il y a un référendum d'initiative partagée qui est mis en place. Ouais, et bah tu vois, comme quoi les leviers existent pour s'opposer aux conneries du gouvernement. On en a un là, d'accord? Laborieux, hein, parce que le process, il est très très compliqué et qu'il faudra aller chercher 4,5 millions de signatures, je crois, de mémoire. Bah là, on a du boulot, les jaunes, hein. Ou du moins les créateurs des OP spéciales qui mettent l'accent et le doigt sur ce qui ne va pas, comme pour la vente des aéroports, d'accord, on va avoir du boulot. Parce que tu vois, si tu prends le compteur officiel des gilets jaunes, on doit être 1,5 million, on a 3 millions de mecs à aller chercher. Donc là, il va falloir faire du porte-à-porte, des marchés, pour expliquer aux gens, les informer et les faire signer cette fameuse pétition pour que ce process ou cette procédure de RIP puisse aller jusqu'au bout. Puis c'est bien, RIP, ça fait bien, ça fait été Rest in Peace, ouais, c'est ça. Hein, pour le projet de vente de l'aéroport, ouais, je trouve ça pas mal. Ouais, tu vois, c'est vrai, un petit jeu de mots intéressant. Hein. Ouais, exactement, j'aime bien les jeux de mots. Et du coup, pour en revenir un peu sur les libertés, je voulais revenir un peu sur la censure, parce que là, il y a eu le directeur de Sud Radio qui a publié une vidéo là tout récemment, je sais pas si Didier. Tu l'as vu. Ouais, hier. La vidéo? Non, j'ai pas vu la vidéo, non. Alors en fait, il explique que lui, il y a des gens qui lui ont envoyé des messages, qu'on a commencé à le menacer, etc. Alors ensuite, il parle de la censure, du fait qu'on bloque. Alors apparemment, ils sont en train de mettre en place des procédures pour bloquer les directs. Ah ouais? Ouais. Donc là, ils sont en train d'essayer de s'attaquer à ça. Moi, j'ai des retours d'énormément de personnes qui se font bloquer. Direct, tu fais une vidéo, tu l'auras. Hein. Oui. Mais ils essayent de limiter en fait ce qu'ils peuvent. Alors évidemment, tu pourras pas empêcher les mecs qui vont filmer avec leur caméra, mais il y aura pas de retransmission. Ensuite, ils censurent de plus en plus de comptes. Moi, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant je peux plus commenter, je peux plus écrire, mon compte il a été supprimé. Il y a des gens qui se font supprimer leur compte. Pour revenir à Didier, parce que je le connais bien, c'est devenu un copain, il prend super cher. Hein. En plus, il est connu médiatiquement, il a un poste dans une corporation où tout le monde se marche ensemble, c'est le seul qui se dénote. Entre le Twitter qui se fait supprimer, les insultes qu'il prend, les gens qui sont à même de travailler avec lui ou du moins dans le même métier lui en mettent plein la gueule. Ouais, on est sur de la censure totale, on est sur mettre en place un silence concret vis-à-vis de ce genre de personnes ou vis-à-vis, comme tu me dis, des lives là, c'est mettre un couvercle sur la casserole qui boue, quoi. Mais ils n'ont pas compris que ça ne marchera pas. Et moi, ce que je trouve assez drôle là-dedans, c'est que quand j'entends les gens qui parlent sur le terrain, en fait, plus il y a de la répression, plus je vois les gens les rangs qui grossissent au sein du mouvement, et plus je vois des personnes qui sont aussi plus impliquées. Donc en fait, la stratégie qu'ils mènent produit l'effet totalement inverse. Exactement. Et quelque part, comment ça peut évoluer pour revenir sur liberté, égalité, fraternité? Tu disais que la fraternité, on l'avait. Les libertés, elles sont de plus en plus écrasées. Comment on va revenir à l'égalité? Juste. Pour finir là-dessus, que tu ne sois pas gilet jaune, que tu ne sois pas concerné, même si tu n'es pas gilet jaune, par les revendications, putain, que tu sois le plus grand démocrate, que tu sois le plus grand des macronistes, juste réaliser, les gars,
que vous avez un président qui tire sur son peuple, qui fait tout pour le faire taire, qui met en place une répression, des lois liberticides, des arrestations arbitraires, on flirte avec la dictature. Pour des gens qui se veulent liberté, égalité, fraternité, pour des gens qui ont des valeurs républicaines, qui sont censés gérer le pays, voter des lois, vous êtes simplement en train de cautionner un mec qui est carrément dangereux. Vous n'êtes plus en démocratie. Vous ne faites que servir un chef. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si tu es démocrate, que tu ne sois pas d'accord avec les jaunes, je l'entends, mais ne sois pas d'accord avec Macron quand on voit ce qu'il est en train de mettre en place. Et quand tu vois qu'à un moment donné, il y a 2 mois en arrière, il voulait mettre en place un système de contrôle de fake news avec la validation de certains éditorialistes sur différents articles qui pouvaient sortir, oh, ça s'appelle un contrôle de la presse. Hein. On s'attaque au peuple, on s'attaque à la presse, et si on se rappelle de l'histoire, ça a donné quoi ? Rien de bon. Hein. Rien de bon. Et moi, je pense que... Je le dis aux médias. Vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le prochain à vous faire taire, c'est vous. Mais ça, c'est déjà un peu le cas. Regarde, il y a un truc qui a finalement pas choqué tant que ça les gens, hein, et qui a très vite été oublié, que moi j'ai trouvé extrêmement choquant pour ma part. C'est la présence de Premier ministre, de membres du gouvernement, de Marlène Schiappa, de Castaner, etc., dans des émissions orchestrées avec des grandes chaînes, etc., sur lesquelles ils sont quand même mis à l'honneur, hein, et c'est eux qui sont présentateurs de l'émission. Alors, la dernière fois qu'on a vu ça... Non mais attends, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est à l'époque de l'ORTF quand même. Tu vois ? Depuis quand est-ce qu'un... Enfin, je veux dire, si on a empêché... les responsables politiques d'être... Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était ça. C'était le ministre qui animait le 20h. On est en train de... Enfin, où est-ce qu'on va ? On y revient. Tu vois ? On m'avait proposé un débat le 8 avril avec Castaner et Nunez. On m'avait proposé de débattre avec eux. Il était où, Castaner, le 8 avril ? Allez, il vit caché en ce moment. On le voit plus beaucoup, hein, garçon. Il est tout penaud. Hein, il s'est en boîte de nuit ? Non, mais quand tu t'as pas vu la fameuse image quand t'as Edouard Philippe qui parle, il est à côté, il est comme ça, là, avec ses petits doigts. Il est pas bien, garçon. Il a dû se faire friter un peu les seufs, tu vois. Par rapport à ça... Merde, je sais plus pourquoi je te dis ça. Tu disais que tu devais avoir le débat avec eux, etc. Oui. Nunez, lundi soir, il était tout seul face aux journalistes. Hein. Il a pas pris part au débat qu'il y avait par la suite. Ils ont même pas... excuse-moi l'expression, les couilles de venir discuter avec nous. Qui c'est qui a peur ? Parce que moi, j'ai pas peur de parler à Castaner, hein, j'ai pas peur de parler à Nunez, j'ai peur de parler à personne de toute façon. Et tous ceux qui veulent discuter avec moi sont les bienvenus, si on discute en toute cordialité. D'accord ? Et j'ai parlé à énormément de monde. Hein. Pourquoi ils ont peur ? Parce que nous, on a la vérité ? Parce que nous, on le subit ? Ils ont peur d'avoir un mec qui a un œil en moins devant eux ? De les mettre face à leurs bêtises et à leurs conneries ? Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est quelque part, enfin, même le plus méchant des méchants, je pense qu'il a un minimum, au moins j'espère pour lui, de conscience. Je pense que pour regarder... Là, il a la conscience de ne pas avoir de couilles. Oui, mais justement, quelque part, ça montre aussi que s'il n'a pas les couilles, comme tu dis... Là, t'as le résultat de ce que tu as fait. Voilà. Tu as la résultat... Exactement, la conséquence directe... Moi et 22 autres copains, on est la résultance du système macronien. Et du coup, toi, c'est bien pour le coup, t'en parles... Comment, enfin, parle-nous un peu de ça, parce que forcément, ça fait partie aussi de ce que t'as vécu sur les manifs, un œil en moins, quoi. C'est, enfin, je veux dire, il y a même pas de mots. Comme tu dis, 22 personnes qui ont perdu un œil. Il y a eu une main, cinq mains. Il y a eu aussi un mort. Deux sentiers en pleine tête. Il y a eu Sinev. On en a parlé hier à la réunion. Il y a eu. Attends. Attendez juste 3 secondes. Ah, elle est belle la technologie, que des problèmes. Oui, il y a eu des morts suite à des accidents. Il y a eu Zineb, qu'on appelle un dommage collatéral. Alors ça me tue, un dommage collatéral. On parle d'une personne, quoi. Tu vois ? Et tu sais, quand tu vois que les mecs s'insurgent pour un graffiti sur les champs qui a été effacé le lendemain ou sur une porte qui a été cassée et que t'en as pas un seul qui s'insurge sur le nombre d'œils pétés.
D'accord ? Ils sont marrants, les journalistes. Tiens, je te rends le truc. Parce qu'ils viennent nous parler de la violence qu'on fait, nous, vis-à-vis des journalistes. Mais t'as vu la corporation, ils sont incapables de parler des policiers qui font des violences sur les journalistes. Et puis moi, je trouve que quand je vois parfois avec quel déni ils te traitent, je veux dire, quand toi t'es là et que tu leur mets dans la gueule, moi j'ai vécu ça, moi j'en suis la preuve vivante, et qu'ils te regardent et qu'ils passent à autre chose. Parce que ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Tu sais, ils sont bien, ils sont dans leur concours, alors ils vivent au-dessus, hein. Ils doivent pas voir la même chose que nous. Hein. Je pense pas. Ou alors, faudrait qu'ils s'en prennent une dans l'œil. Ouais, c'est ça. Pour se sentir concerné, je pense. Comment toi t'as fait face à ça ? Dans un premier temps, l'appréhension post-opératoire, elle est la suivante. C'est qu'on a tous conscience aujourd'hui que quand on va dans une manif, ça peut être dangereux. D'ailleurs, je vais me permettre de dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui disent « faut pas déclarer les manifs ». Je suis d'accord. D'accord ? Faut savoir que quand tu déclares pas, tu es un émeutier. Tu perds un œil, tu n'as pas d'assurance. Et comme dans les deux cas, ils tirent, et dans les deux cas, ils pètent un œil, faut savoir que moi, ça a été pété sur une manif déclarée, bah t'es assuré. D'accord, bah ça tu vois c'est intéressant. Ça, voilà. Moi je suis pas pro-déclaration pour être pro-déclaration. C'est juste qu'à un moment donné, dans un cas comme dans l'autre, on se fait déglinguer la gueule. Donc on doit être assuré si on prend le risque de venir. Tu vois ? Ouais, c'est clair. C'est surtout ça. Maintenant, moi je savais ce qu'il était. Moi c'est pas la première grenade que je me prenais, je m'en étais pris une sur les champs. J'ai des copains qui ont été amochés. D'accord ? Donc on savait à quoi s'en tenir. Donc le traumatisme qui suit l'attaque que j'ai subie, je l'ai mieux appréhendé parce que de toute façon, quand je me suis pris le shoot dans l'œil, d'accord, quand je l'ai senti arriver et que j'ai vacillé vers l'arrière, la première chose que je me suis dit dans ma tête, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est « putain, ils m'ont eu ». Je savais ce qui venait de m'arriver. Tu vois, c'est exactement les mots que je me suis dit dans ma tête. « Putain, ils m'ont eu ». Donc j'avais conscience de ce qui m'est arrivé. Après, l'appréhension, elle est simple. Après, psychologiquement, je suis suivi, hein. Parce que c'est pas anodin de perdre un œil, puis il faudra apprendre à vivre avec un œil en moins. Je me suis pris un poteau l'autre jour dans la gronche, ça fait mal. Hein. Ou tu sais, les trucs qui, sur les trottoirs là, que tu vois pas, que tu te prends dans la jambe et tout, ou les demi-marches aussi. Donc c'est voilà. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je fais ? Ma vie, c'est de la merde. Ma bouteille de whisky, mon canapé, ma console. Je prends 800 euros d'un handicapé toute ma vie et je pourris ? Non. Non. Je me suis inscrit dans quelque chose, je me suis inscrit dans un combat, j'ai des convictions. Pour ce qui m'est arrivé, pour ce qui est arrivé à tout le monde, et pour le bien-être de nos enfants et un meilleur vivre de tout le monde, il fallait que je continue. Donc après, c'est une question de responsabilité. Soit tu laisses la sacoche, quelqu'un la prendra à ta place, soit tu continues d'avancer avec ta sacoche. Et moi, je continue d'avancer à ma sacoche au nom du mouvement, et pour le mouvement, et pour faire en sorte que tout le monde aille mieux en France. Du coup, maintenant, on va revenir un peu sur l'égalité. Quelle solution ? Comment ça évolue ? Parce que là, on est à la 22e. On va arriver sur la 22e. Il n'y a pas de réponse du gouvernement. Ils continuent de mettre en place des réformes. Moi, je suis en contact avec pas mal de personnes, tu vois, dans différentes corporations, notamment des personnes qui travaillent chez Pôle emploi. Apparemment, on a une première réponse. Vas-y, dis-moi. La résultance du grand débat, où apparemment, il y aurait un problème de fiscalité en France. Ce serait ressorti du grand débat. Donc 3 mois de tchatch entre petits copains, je ne sais plus, quelques milliards d'euros, le coût du grand débat, d'accord ? Pour nous dire quoi ? Qu'il y a un problème de fiscalité en France ? Oh, tu vois leur incompétence, hein ? Ils seraient venus le 17 novembre avec nous dans la rue, ils auraient compris tout de suite qu'il y avait un problème de fiscalité en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque élection présidentielle, on vient nous voir en nous disant qu'il y a un problème de fiscalité en France, elle est de trop. Et ça ne les empêche pas de les augmenter en arrivant au pouvoir. Donc tout ça pour ça. Eh, Manu, je t'avais dit, hein, téléphone à n'importe quel jaune, il va te dire c'est quoi le problème en France. Dont le premier, fiscalité. Tu vois, donc une première réponse, enfin, une première résultance. On va voir la réponse qui va être apportée par Macron d'ici quelques jours. Il y a un très longtemps de ça, il y a Gérard Filoche, c'est un élu du PS, qui disait... l'évasion fiscale, l'optimisation, etc. Si on règle ce problème-là, en fait, on règle tous les problèmes. Il n'y a pas besoin de chercher l'argent quelque part. Régler un problème qu'ils ont créé eux. Si les mecs qui peuvent, les Total, les compagnies, là, toutes les entreprises qu'on a pu voir samedi dernier à la Défense, si on leur donnait pas les lois et la possibilité de défiscaliser, d'avoir des niches fiscales, ce sont des lois. Ils ont le droit de le faire. Alors, mettez-vous boulot. Abroger les lois.
Si c'était le cas, il aurait fait le RIC parce que c'est le seul, c'est le président et le seul à pouvoir mettre en place le RIC tel qu'il est institué dans la Constitution. Il ne mettra rien en place, on sera les seuls à aller le chercher. T'es plutôt un peu de la doctrine, un peu. La dernière fois, je discutais avec Étienne Chouard, il disait il faut qu'on aille le, enfin, faut qu'on aille le chercher par nous-mêmes parce que de toute façon, ils nous donneront jamais rien. Ils nous donnent déjà pas un morceau de pain parce qu'on est en train de bouffer le leur. Ils vont pas nous donner de quoi vraiment prendre toute leur assiette. T'as quand même des députés en France qui votent leur paye, qui votent leur retraite. Si c'est nous qui mettons la mainmise dessus, les mecs ils vont morfler autant que nous on a morflé. Hein. Donc ils nous le donneront pas. Il faut aller le chercher. D'une façon, tu sais, il doit y avoir un mec important qui passe. Il faut aller le chercher. Et on ira le chercher. Parce qu'on a essayé la manière douce, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc on ira le chercher. Et du coup, là, moi, je vois de plus en plus avec ce qui s'est passé, notamment le 16, qu'il y a aussi une montée en puissance au niveau de la motivation des gens, de la détermination des gens. J'ai vu des personnes qui étaient totalement pacifistes mettre la cagoule et commencer à être plus actifs, clairement. En même temps, c'est assez étrange comme sensation. En même temps, ça fait du bien, si je dois tout à fait honnête, parce qu'on se dit ça bouge. En même temps, ça fait peur, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça fait peur à eux, ça fait peur aussi à certaines personnes, tu vois, dans le mouvement, parce qu'ils se disent putain, moi je peux pas venir. La manif du 16, il y en a un bon paquet avant de revenir. Ils ont attendu une semaine ou deux avant de revenir. Hein. Alors on n'a pas les mêmes infos parce que moi sur les trois dernières manifs qui se sont passées après le 16, j'ai énormément de gens qui sont venus me voir. Ah, Jérôme, c'est ma première manif. Oui, c'est les extrêmes en fait. C'est t'as des gens qui sont en mode putain, là ça m'a donné un regain d'espoir. Tu vois, putain, ça m'a fait du bien de voir ça. Et en même temps, c'est ouais, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que les gens ils se disent en fait, je pense qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Je crois que le plus grand danger il est là. Ou d'aller de savoir jusqu'où ça va. Tu sais que avant que ça parte vraiment en couille, t'avais beaucoup de gens qui criaient la révolution. Mais quand moi je venais les voir, ouais, sympa la révolution. Mais tu sais que la révolution ça connote la mort, que tu peux avoir ton voisin qui est pas d'accord avec toi qui brûle ta maison et que t'as les mecs qui te répondent oh bah non, tu sais, moi lundi j'embauche à 8h hein. Ouais. Ah bah pourquoi tu cries révolution, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Faut, à un moment donné, faut savoir les mots, d'accord? Si on est pour une révolution, faut savoir ce qui se passe derrière, quoi. Mettons-nous en marche pour celle-ci, mais voilà les conséquences. Ouais. Et c'est pas la pire. Parce que la pire, c'est la mort. Déjà, je me demande comment on a fait en 22 actes pour pas qu'il y en ait un qui... Sur une manifestation, je te parle. Hormis Zineb, d'accord. Sur le cœur des manifs, personne. Hein. Après, moi, depuis le début... Pourtant, avec les matraquages, etc., c'est vrai que ça... Moi, j'ai peur du martyr, dans un sens comme dans l'autre. Ouais, parce que le risque, c'est que qu'on détourne aussi l'attention là-dessus, comme ça a été fait sur la violence, comme ça a été fait sur... Sur plein d'éléments. Si on joue un vilain mot, le complotiste, ou si on se met un petit peu dans une parano, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'acte 11 ? On va extrapoler, on va faire de la fiction, d'accord ? Le gouvernement veut se payer une tête. Ça aurait pu être Eric, ça aurait pu être Fly, ça aurait pu être Priscilla, ça aurait pu être qui que tu veux. C'est tombé sur moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je me réveille le lendemain matin, j'appelle à la guerre. Vengeance. J'aurais pu, hein. Parce que quand je suis monté dans le camion de pompiers, j'entendais vengeance dans toute la manif. Hein. Première chose, j'ai pas envie que mes parents voient le nom Rodriguez lié à un mot ou une guérilla sur Paris. Ouais, deuxième chose, je me suis dit quoi ? Je me lève le dimanche matin, j'appelle à la vengeance, le samedi tout le monde va dans la rue, là ça tire, ça matraque tout le monde et met à mort le mouvement. Tu vois ? Deuxième chose, deuxième parano, tu te dis que le flic qui m'a tiré dessus, il doit avoir un courant d'air entre les deux oreilles. Peut-être, hein. Je suis dans la fiction, hein. Je le rappelle. Il devait avoir sur son écran d'ordinateur une page de garde, Jérôme avec une cible au niveau de l'œil. Tu vois ? Parce que c'est pas anodin de se prendre et une grenade et un coup de LBD, d'accord ? Dans une zone qui est complètement pacifiste, où il se passait rien, que tu avais 10 pélos derrière, que je venais juste de dire, partez. Tu avais un groupe de street medic et une dizaine de gilets jaunes, on avait quoi de dangereux ? J'avais un sandwich dans une main et un téléphone dans l'autre. C'est pas un pain au chocolat qui allait leur faire mal. Hein. Mais de toute façon, moi, clairement, très clairement, sur le terrain, j'ai vu des situations où soit tu pars du principe que les forces de l'ordre sont des idiots, soit tu pars du principe qu'ils sont mal pilotés.
il y a des erreurs qui sont flagrantes. Je veux dire, la dernière manifestation qui s'était terminée Trocadéro, à un moment, tu as les forces de l'ordre qui se déplacent, qui remontent de Champ de Mars par les escaliers, tu vois, parce que les gens voulaient partir en non déclaré. Et voilà, c'est ça qui leur fait peur. Sauf que, en principe, ils auraient dû rester à hauteur des escaliers puisque toute la zone était verrouillée. Les gens n'auraient pas avancé. Tu vois, tu l'as déjà vu sur les manifs. Les gens, ils voient les forces de l'ordre qui arrivent, ils sont 50 par équipe de 50 avec leur machin et tout. Les gens, ils rebroussent chemin ou ils s'arrêtent, quoi. Pour la plupart, en tout cas. Pour la plupart. Pour une bonne majorité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué d'avancer. Donc, ils se sont retrouvés, en fait, au milieu des manifestants. Donc, les gendarmes ont dû intervenir pour permettre à l'équipe qui s'était retrouvée emprisonnée de sortir. Sauf que les mecs qui étaient au milieu, ils ont paniqué. Ils ont balancé des grenades dans le tas, donc forcément, t'as des gens qui se retrouvent blessés, tu vois. Parce que quand t'as l'effet de masse, tu balances une grenade sur une foule de personnes qui est paniquée. Les gens, ils se poussent, ils courent, machin et tout, dans l'effet de panique. Parce que tu sais que. Ça part en couille. Moi, j'ai discuté avec un colonel de la gendarmerie, d'accord. Il m'a clairement dit que la doctrine du maintien de l'ordre n'est carrément plus respectée en France, n'est pas mise en place. L'incompétence des gens qui dirigent les forces de l'ordre. Ont carrément mis à mal la doctrine du maintien de l'ordre, de par les ordres qu'ils donnent et de par l'intégration des baqueux. Parce qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà. Moi, on m'a expliqué que cette fameuse grenade ne sert pas à attaquer, elle sert à se défendre. C'est que si tu arrives sur cette ligne de démarcation qui est de 2 mètres entre la police et toi, sur une ligne de police, si eux voient qu'ils sont oppressés, c'est pour se dégager. Elle sert à ça, cette grenade. Et lancée au sol. Sauf que là, les mecs, ils s'attaquent parce qu'ils la lancent en cloche dans un mouvement de foule, tu sais pas pourquoi. Et puis quand ils la lancent au sol, c'est vigoureux, hein, c'est pas à 2 mètres. Ils t'envoient ça, le truc, pendant 15 mètres, ça rebondit. Ça glisse. Eux, normalement, ils m'expliquaient qu'ils sont pas là pour aller taper. Ils sont là pour faire, comment ils appellent ça? Putain, il m'a donné le mot. Tu sais, faire en sorte que ça s'approche pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenir une distance réglementaire. Voilà, normalement ils sont là que pour jouer sur de la distance. Et au final, ils ne le font pas parce qu'ils ont d'autres ordres de nous marrer la gueule et de nous attaquer pour mieux protéger le gouvernement. De toute façon, moi je l'ai vu et même les gens le remarquent très bien. Il y a une différence entre quand ce sont les gendarmes, quand c'est la BAC, ouais. Quand c'est la police nationale, quand ce sont les CRS, etc. C'est pas la même stratégie. Non. Moi j'ai vu les gendarmes, j'avais discuté pareil avec un commandant. Ouais, et puis quand les gens commencent à forcer ou quoi, eux ils rentrent pas au contact en fait. Ils laissent les gens, ils font en sorte d'encadrer, mais ils vont pas au contact. Et généralement ça se passe plutôt bien. Non, là, moi je trouvais que ça se passait. De toute façon, les baqueux ils peuvent plus les voir. Hein. Moi j'ai eu plein de CRS et plein de gendarmes, ils ne peuvent plus voir les baqueux. Il y en a qui se foutent même sur la gueule, il y a des vidéos qui sortaient là où tu voyais des CRS entre eux qui se foutent sur la gueule. Ça, c'est humain, hein. Ils se foutent sur la gueule, je sais pas pourquoi ils sont foutus sur la gueule. Il y a des moments où c'est des en fait ils refusaient. Moi j'ai vu une vidéo d'un mec en fait, c'est parce que tu vois avec le casque, donc tu sais en fait qui est qui. Et en fait ils refusaient, enfin le commandant sur place leur demandait d'avancer dans une zone où les gens ne faisaient rien. Et en fait il s'est énervé quoi, il est arrivé, il a mis un coup de casque au commandant en disant non moi j'y vais pas. Eh bien, c'est tout à son honneur. Là, au moins, t'as le côté humain de la police. Tu vois ? Sauf que les mecs, ils sont malins parce que tu sais que sur une unité, ils vont de 100 flics, ils vont te mettre 70 qui ont un courant d'air, 30 qui sont un tant soit peu intelligents et qui ont conscience des choses, mais comme phénomène de groupe aidant, ils vont pas réagir, tu vois. Oui, et puis quand t'en as un qui commence à charger, les collègues sont jetés dessus, même s'ils sont pas. De toute façon, ils sont pilotes à l'oreillette. Donc voilà, ils ont pas la possibilité sur le terrain de juger objectivement des situations. Les mecs, ils ne supportent plus les baqueux. Hein. Parce que, alors, ces espèces de cow-boys. Tu sais que c'est les seuls qui m'insultent hein, sur la manif. Hein. Avec mon œil. Hein. Les baqueux et les motos. Hein. Oui, parce qu'il y a la nouvelle brigade là. Moi, je l'appelle, ça s'appelle les voltigeurs. On se rappelle de Malekou Sekim, d'accord. Parce qu'eux, ils sont très forts. Hein. Ils te calent dans une rue, il n'y a personne, il n'y a pas de lumière. Tu t'en prends plein la gueule, tu te laisses mourir ici. Hein. Tu vois. Et eux m'insultent, m'envoient des vannes sur mon œil. D'accord. Alors que les CRS me saluent. En levant le poing, en disant salut Jérôme et tout. Les baqueux m'insultent. Tu vois, qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour? T'inquiète pas, Jérôme, les street medics sont pas loin, on arrive. Voilà les baqueux. Voilà la police de Macron. Ils sont prêts à me péter le deuxième œil. Ouais, ça, ils osent pas, ils se cachent pas de le dire en plus. Ah non. Bah, s'ils se cachent, ils ont le casque, le masque. Oui. C'est toujours plus facile avec eux. Moi, je crois. Alors, on va faire son bonhomme de base. Vas-y, enlève ton équipement, enlève ton masque et viens maintenant. Parce que même avec un œil en moins, viens me parler. Moi, je trouvais ça très drôle, l'acte dernier. J'arrive sur la manif à République.
Le point de rendez-vous, c'était 11h. J'arrive à 11h05, d'accord ? Je venais de lancer mon direct, j'étais en facecam. Je commence à tourner la tête, je vois une équipe de ces mecs-là en bécane. Là. Ah, ils étaient au moins 40 motos. Je fais putain, là, ça sent le coup fourré. Je tourne la caméra, je vois un jeune qui arrive en courant et qui essaie de s'enfuir parce qu'il avait, il avait un petit masque. Un jeune, pour le coup de hasard, un mec que j'avais interviewé la manif d'avant. Donc je savais qui c'était. Un mec qui casse pas, un mec qui est cool, etc. Ils ont couru après à 40 et ils l'ont attrapé comme si c'était un terroriste, le gars. Ouais. Alors qu'il avait rien fait, tu vois, juste parce qu'il avait un petit foulard et que son visage était caché comme ça. Sauf que moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle dans ce moment-là et que personne n'a remarqué, c'est qu'en fait, les mecs qui l'ont arrêté étaient plus cachés que celui qu'ils arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils étaient 40, on voyait à peine leurs yeux. Donc toi, tu te fais arrêter parce que tu caches le visage ou une partie du visage, mais eux sont pas arrêtés parce qu'on voit pas leur numéro de matricule. Je veux dire, à un moment, si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu te caches ? Bah ouais. Si t'as rien à te reprocher, pourquoi on voit pas ton matricule ? On voit pas les matricules des flics. Non, je sais. Je sais, et quand j'avais posé la question à un policier qui m'avait dit on le range parce qu'on nous le vole. Il m'avait montré son matricule. En fait, son matricule était dans sa poche intérieure. Il me l'a sorti parce que j'avais la caméra. Alors, tu vois, un peu quand t'as la caméra, ça donne un peu de contenance, tu vois. Ouais. Il a sorti son matricule. Il me dit il est là, mon matricule. Je dis mais pourquoi il est là ? Il devrait être visible et apparent, ton matricule. Personne n'a de matricule ici, là. On était nassés, donc on avait le temps de papoter un peu, tu vois. Et il me dit, bah, parce que sinon, si je le sors, on me le vole. Mais qui lui vole ? Arrête-toi. C'est pour pas que les mecs, tu vois, moi, j'aurais kiffé que le mec qui m'a tiré dessus, on voyait son matricule, tu vois, direct, que de faire semblant de le chercher, le mec. Par rapport à cette histoire, moi, je sais que j'avais discuté avec Franck Didron. Lui, apparemment, il lui avait mis la pression au niveau de l'IGPN en lui disant concrètement t'auras pas de retour et si tu continues à venir nous faire chier tu vas avoir des problèmes. Est-ce que t'as des nouvelles par rapport à ça ? Non, au début j'ai voulu jouer sur la confiance avec l'IGPN, c'est ça ? IGPN, j'ai voulu jouer sur la confiance avec eux en leur laissant traiter le dossier. Quand tu vois que certaines informations sortaient dans la presse alors que j'étais même pas au courant, d'accord ? Quand je vois qu'au bout de 3 mois ils me réclament le dossier médical que je leur ai déjà donné, quand tu sais que le procureur qui s'occupait de l'affaire c'est le même qui a perquisitionné Mediapart, autrement dit un bon petit copain à Macron, autant dire que le truc il allait pas avancer. Donc on est parti sur une autre voie juridique avec un juge d'instruction qui lui est indépendant de l'État et qui va pouvoir mener à bien l'enquête. D'accord, donc pour l'instant t'as pas de retour supplémentaire. Ah non, de toute façon j'en aurai pas avant des années. Mais ils font tout pour tout bloquer. Hein. Mais t'inquiète pas, hein. Une fois que tout ça finit puis qu'eux ils vont descendre de leur piédestal, moi j'irai les chercher. Et ils iront en justice. Et que sur la... Je vais tout faire pour que Macron il aille en prison. Je vais tout faire pour qu'il paye pénalement de ce qu'il a fait. Parce qu'on me dit que c'est pas de sa faute. C'est lui le patron, c'est lui le président, c'est lui qui tire sur son peuple. Et je suis désolé qu'il aille en prison. Parce qu'on tire pas sur son peuple qui réclame. J'ai rien fait. J'ai tapé aucun flic, j'ai pété aucune vitrine. Je me suis même reculé quand les flics sont intervenus sur la place de la Bastille. Donc je suis désolé. Macron, Castaner, Nunez sont les complices du pire et sont les instigateurs de ce qui m'est arrivé et aux 22 autres aussi. Moi je suis désolé aujourd'hui, t'as des gens parce que ils grillent un feu rouge, ils peuvent se retrouver en prison. Eux ils pètent des yeux, ils ont le droit de rien avoir. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça l'égalité. On est tous égaux devant la loi et on se doit tous de connaître la loi. D'accord ? Et eux sont irréprochables, eux sont hors loi parce qu'ils ont l'étiquette de président. Non mais tu rigoles ou quoi ? Et je te le dis, hein, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir et dans mon possible pour que Manu paye de sa responsabilité ce qu'il nous a fait. Hein. Pour moi et pour tous les copains qui ont été blessés. Hein. J'attends 2022 avec impatience. Hein. Qu'il soit pas réélu, que le mec il devienne un homme lambda pour lui faire comprendre. Qu'il n'ait plus ce privilège présidentiel. Non, ouais. Tu sais, cette immunité. D'accord ? Parce que lui, il est grand hein, et fort, hein. Pour dire que tous les dictateurs dans les autres pays font de la merde et que c'est pas bien ce qu'ils font. Ah ça, il s'est donné des leçons, garçon. Hein. Mais t'as le cul aussi sale qu'eux aujourd'hui. Point barre. T'as le cul aussi sale que n'importe quel dictateur en France. Dans le monde, pardon. Parce que tu tires sur ton peuple. Et ça, faudrait qu'à un moment donné, les médias, ils s'en rendent compte. Que les mecs qui sont derrière le cul à Macron s'en rendent compte. Parce qu'un jour, ça va leur arriver. Je le rappelle, le programme électoral de Macron, c'est LBD dans la tête du peuple. Marche et crève. Et ça, c'est plus possible. Comment ça va évoluer, tu penses, toi, le mouvement, comment les mots... Parce que moi, si tu veux, sur le terrain, l'expérience que j'en ai, c'est
des actions qui deviennent de plus en plus chirurgicales. Il y a pas mal d'opérations qui sont menées pour bloquer des multinationales. Moi, j'ai été convié aussi par pas mal de groupes, notamment les intermittents, des groupes syndicaux qui sont liés à Pôle emploi, à l'UNEDIC, etc., qui ont réalisé des actions à coup de poing. Style, on se pointe en pleine, en pleine réunion de la direction régionale de Pôle emploi et on vient vous faire un petit coucou. Il y avait des chômeurs, etc. Il y a plein d'actions comme ça qui deviennent plus précises. Les tableaux du président dans les mairies. Exactement. Ouais, restons visibles, restons dans l'action. De toute façon, il n'a pas l'intention de nous donner quelque chose et je ne crois pas qu'il nous donnera quelque chose. Donc allons le chercher d'une façon ou d'une autre. Pourrissons-lui le quinquennat, qui soit le. De toute façon, il n'y a plus besoin, c'est fait. Hein. Le pire président qui existe de la 5ème République, c'est lui. D'accord ? C'est le pire flop de toute ma vie en termes de pouvoir, c'est lui. D'accord ? Continuons à lui pourrir son quinquennat de toutes les façons, possibles et inimaginables. Allons là où il se trouve. Allons les chercher où ils se trouvent quand ils font des balades, d'accord ? Même si c'est 10 km, on est bloqué 10 km avant pour pas que le monsieur soit ennuyé. Hein, mais faut pas le lâcher. Il faut pas le lâcher. Quelle que soit la manière. La manif le samedi, les actions en semaine. Et mettre l'accent sur tous ceux aujourd'hui qui nous mettent à mal la France. Toutes ces grandes sociétés qui, à défaut de nous servir, nous desservent et se font de l'argent sur notre dos. Ouais, parce que c'est ça aussi la force, je trouve, du mouvement, c'est un éveil, une prise de conscience collective, des gens qui discutent beaucoup entre eux. On devient des lobbyistes, à notre manière, tu vois. Parce que quand les lobbyistes prennent la tête aux différents politiques pour voter les lois dans leur sens, nous on fait du lobbying pour dénoncer tout ce qui se passe. Tu vois. Exactement, c'est une stratégie de communication. Voilà, je sais plus dans quel pays les mamans en blanc qui tournent en rond tous les jours pour libérer leurs enfants de prison. Je ne sais plus dans quel pays de Sud-Américains qui font ça. Je ne sais plus lequel. Ça me dit quelque chose, mais là, j'avoue, j'ai pas l'information. Voilà, ils sont visibles tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ils restent visibles. Et ben, faut qu'on fasse la même chose. Rester visible. D'une manière ou d'une autre. D'avoir un petit truc jaune, d'avoir une présence, de venir sur une action, tu vois. Hier, il y a plein de gens hein, qui sont arrivés là sur le regroupement statique qu'on a fait face au Sénat. Oh, j'ai eu l'info, je suis venu tout de suite. Il y a des gens qui viennent de loin. Il hein. Bon, y a des gens qui venaient, qui ont pris le train, qui n'étaient pas ni d'Île-de-France, ni de région parisienne, ni rien, qui ont pris le train, 2 heures de train, machin, grande ligne, et qui sont venus jusqu'ici. Hein. C'est bien, au moins ils sont volontaires pour que les choses changent et pour rester visibles. Je crois que c'est le plus important. Tu vois ? Ils ne veulent pas nous entendre, ils ne veulent pas nous écouter. Ils ne peuvent pas fermer les yeux. Ils ne peuvent pas fermer les yeux. Donc restons visibles. Comme j'ai dit hier, réveillons-nous. Le sommeil sera bientôt taxé. Un petit dernier mot du coup pour conclure un peu cette interview sur l'Assemblée hier. Moi c'est la première que je faisais avec autant de monde, etc. Ah, t'as pas vu ça il y a 2 semaines, non ? Non, j'ai pas vu ça il y a 2 semaines. J'ai pas, 900 personnes, c'est énorme. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'être présent malheureusement pour des raisons personnelles. Mais du coup c'était voilà, pour moi une première. Moi j'en avais fait d'autres, mais plus petites, plus locales, tu vois, pour essayer de donner aussi de la visibilité aux petits groupes qui se forment un peu partout. Et du coup un petit mot par rapport à cette assemblée d'hier. Après je vais faire une généralité, j'adore ça. T'as de l'échange, t'as des gens qui gueulent, t'as des gens qui construisent, t'as des gens qui posent des questions. Et cet échange, c'est ce qu'il y a de plus formidable au final dans ce mouvement, c'est de pouvoir discuter les uns avec les autres, quel que soit le sujet. Quel que soit le thème, d'avoir un échange et d'apprendre des uns et des autres. Et c'est ça la force de ce mouvement. C'est qu'on apprend les uns des autres nos différences, et c'est nos différences qui mèneront à l'union. Et moi j'adore ça. Est-ce que tu accepterais de répondre à quelques questions du public ? Quelques minutes, ça te dérange pas ? Du public qui nous regarde ? Ah oui, vas-y. Si ça te dérange pas ? J'étais parti sur un autre délire. Alors attendez, je vais juste. Hop, on va couper ça. Comme ça, je vais regarder vos commentaires. Ouais, je vais. Ah bah si t'as noté des commentaires, alors parfait. On a un coup de main aujourd'hui, c'est ça la solidarité. les gilets constituants. Alors je sais que c'est un groupe, maintenant, être précis dessus, je l'ai pas parce que j'en ai rencontré un hier au Sénat. Faut que j'aille déjeuner avec lui ou enfin du moins se rencontrer. Pour qu'ils puissent m'expliquer plus en détail, parce que des fois sur une manif en 5 minutes expliquer quelque chose qui a l'air d'être quand même assez costaud, j'ai pas trop le temps. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens sur les manifs. J'ai tellement de messages, j'ai tellement de gens qui viennent me parler qu'à un moment donné ma tête elle est plus capable d'assimiler tout. T'es tout seul à gérer tout ça, tes messages, tes machins, t'as du monde qui te fait. J'ai Jamel et deux trois autres personnes qui
qui me remontent des informations quand je peux pas y avoir accès ou que j'ai du mal à répondre, encore eux qui sont là. Mais ouais, sinon on est tout seul, nous. On est tout seul. Mais pour que les gens se rendent compte, c'est important de... Ouais. Bah oui, non, voilà. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est les messages, les infos, c'est une quantité. Voilà, j'en suis à ce matin. Voilà, hier, 582 appels. Ah ouais, juste, je suis devant son téléphone, 582 appels, 167 messages. Voilà. 1400 mails, et le reste des autres messageries, je les coupe. Pour pas que ça me bouffe la batterie. Mais ouais, il y a hier 89 messages. 89 appels. 89 appels. Donc les gilets constituants, tu parles de Thibaut peut-être ? C'est Thibaut, avec Thibaut que tu as discuté ? J'ai deux contacts. Je garde les prénoms pour moi parce que s'ils veulent rester discrets. Oui, bien sûr. Mais rien de bien méchant. Mais voilà. Après, je peux pas être calé sur tous les sujets. Je ne peux pas parler de tout. Mais par contre, j'aime apprendre. Bah, en tout cas, ils mènent des actions un peu coup de poing comme ça, où ils vont devant les grandes chaînes. Télévision. Voilà. Je sais qu'il y a un groupe de constituants qui vont France Télévision tous les soirs parce qu'apparemment, ils ont un système de comptage qui ont été financés par des grands médias. Avec un système de laser, alors j'ai pas trop étudié le dossier encore, mais qui nous permettrait d'être compté. Mais les médias le mettent pas en place. D'accord, ah bah tu vois, ça, j'ai bien découvert les choses. Alors c'est occurrence.com ou occurrence.fr le nom de ce système. J'ai pas eu le temps d'aller creuser encore. Attends, je regarde en même temps les... Alors par contre, si vous tapez occurrence sur internet, ne vous arrêtez pas à la première page. Oui, il faut trouver le bon. Aller creuser bien plus loin machin, ouais. Sur ce système, ou alors vous mettez occurrence, système de comptage manifestation ou quelque chose comme ça. Attends, juste on va décaler tout ça, c'est super sombre, je pensais pas que c'était sombre à ce point-là. Genre. On voit à peine en fait. C'est bien, comme ça je suis pas trop dans la lumière. Ouais, c'est... Non, mais là c'était vraiment sombre. C'était direct. Alors. Ouais, là c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. On va voir si je décale. Juste deux secondes, parce que je viens de me rendre compte que c'était très sombre et qu'en fait on voyait à peine genre les visages, etc. Ah putain, ouais, si, mais je me rendais pas compte parce que quand j'avais fait le plan de tout à l'heure, mais j'avais oublié qu'en fait tout était tombé. Alors attends, on va voir parce qu'il y a de la latence. 10 secondes, ouais. Ouais, c'est ça, il y a la latence, juste pour qu'on voit. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Ah ouais, là ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Bon, du coup, je te laisse me dire un peu les questions. Alors, les violences morales subies en garde à vue notamment, quel recours peut-on avoir Tu me poses des questions un petit peu trop juridiques ou de justice. À défaut de dire une connerie, il faudrait peut-être se renseigner vis-à-vis des avocats. Alors j'ai du mal avec la justice parce que c'est assez précis et à défaut de dire des bêtises, quand j'ai beaucoup de gens qui m'appellent le samedi soir qui se retrouvent en garde à vue, j'appelle mon avocat parce que je ne sais pas quoi répondre, quoi. Pour essayer de leur donner des indications, pour essayer de s'en sortir au mieux. Mais ça c'est pareil, hein, tu sais, tout est apprentissage à un moment donné. Quand on va sur moi, au début de la manif, si tu veux, je me suis renseigné comment fonctionnaient les policiers, quelles étaient les sommations. Voilà, faut se renseigner quand on fait quelque chose. Que si on vient à se faire attraper par la police, quels sont les recours? Tu sais, un peu comme j'expliquais hier, que sur les fameuses délimitations de manifestations non autorisées, s'il n'y a pas les arrêtés préfectoraux, ne signez pas le PV. Parce que c'est eux qui sont hors la loi, rien n'est indiqué. Oui. Et d'aller voir un médecin si besoin se fait sentir. Et après, il faut se renseigner. Des fois, il ne faut pas partir la fleur au fusil. Il faut savoir où on met les pieds, quoi. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis en train de regarder un peu ce que vous dites. La convergence appelée. Il en pense quoi, notre DG national?
La convergence, moi, la convergence, elle ne se traduit pas uniquement au niveau des syndicats ou autre chose. La convergence, moi, elle s'applique de la façon suivante. Si qui tu sois, tu te sens concerné par ce qui se passe et les revendications qu'on met en place et que tu es prêt à te battre pour ça, tu es le bienvenu. Gilet jaune, rose, bleu, vert, arc-en-ciel, à poil, sans poil, ce que tu veux, viens. Viens, rejoins-nous, viens mener le combat avec nous pour une vie meilleure. Je me fous de savoir qui tu es, ce que tu votes, ce que tu bouffes, ce que tu pisses. Si tu es concerné par le combat, si tu es concerné par les convictions et les revendications, sois le bienvenu dans le mouvement. Et tu seras accueilli à bras ouverts. Ça avait quoi comme question ? Est-ce que le RIC est toujours demandé ou est-ce qu'il est passé à autre chose ? Alors si on se réfère au vrai débat qui était la plateforme de débat qui a été mis en place par des gilets jaunes, revendication qui en ressort, c'est la refonte complète du système politique français et qui passe par, en premier temps, le RIC, deuxième temps, la prise en compte du vote blanc et je crois en troisième temps, le fait que ceux qui accèdent au pouvoir n'aient pas un casier judiciaire, enfin qu'ils aient un casier judiciaire vierge. Donc le RIC reste dans les attentes, en tout cas, du mouvement Gilets jaunes. Alors. Serait-il possible de comptabiliser les gilets jaunes qui ne peuvent pas se rendre en manifestation ? Pour ça, il y a le site, enfin du moins, il y a la page... j'ai oublié le nom. Le compteur des gilets jaunes. Donc pour qui montre un petit peu les gens qui rejoignent le mouvement sans forcément être dans la manif. Donc là, on peut se compter si on va s'inscrire nous-mêmes. C'est déjà difficile de compter en manif, alors compter ceux qui... sont intéressés ou ça va être compliqué quand même. On en a parlé d'ADP, hein. Il y a des gens qui me parlent d'ADP, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé d'ADP, donc essayer de poser des questions sur des sujets qu'on n'a pas amenés là pendant le débat. Tac. Et si les questions, je les donne en même temps. Pour toi, Jérôme, le motilier de manifestation devrait-il être reconnu et payé par l'État ? Tu mérites un beau parachute doré. Non. Non. Enfin, si je peux répondre, non. La seule chose que eux méritent, c'est de payer pour ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est de payer pour ce qu'ils ont fait. Je suis pas un profiteur. Il y en a beaucoup qui s'amusent à raconter des conneries comme quoi je me fais des millions sur le dos des jaunes au sein du mouvement. Chose qui est complètement faux. J'ai vendu le badge que tout le monde porte et je l'ai vendu au prix qu'on m'avait indiqué de le vendre et je ne me suis pas du tout enrichi. Quand moi je fais des déplacements, soit les gens qui m'invitent m'aident à payer, soit c'en est de ma poche. Je n'ai pas à avoir de parachute doré. La seule chose qu'on doit gagner à la fin du mouvement, si on vient à gagner, c'est l'amnistie pour l'ensemble des gens qui ont été arrêtés pour un simple masque ou pour d'autres conneries et la reconnaissance... peut-être une certaine reconnaissance pour tous ceux qui ont été mutilés, comme on peut reconnaître des mutilés de guerre. Mais pas d'argent, pas de parachute doré. Scandale. Vas-y. Alors attends, redis la question. Est-ce que le RIP s'oppose avec le RIC ? Je dirais qu'il y a une version peut-être plus édulcorée de l'une par rapport à l'autre. Après, j'ai pas non plus les compétences pour. Toi, le RIP, j'en ai entendu parler hier, j'ai essayé de m'instruire par rapport à ça. Alors... peut-être qu'il doit y avoir des éléments de rapprochement, mais il y a beaucoup d'éléments qui écartent parce que, de ce que j'ai compris, par exemple, il faut 4,5 millions de signatures. Alors c'est, l'initiative, c'est à l'initiative en plus de parlementaires. Alors que nous, c'est à l'initiative du citoyen. Donc ça peut être déjà la grosse différence. Et apparemment, nous, c'est 700 000 signatures, je crois, pour pouvoir déclencher un référendum. Voilà. Gaz lacrymogène, scandale sanitaire. Ah bah c'est clair. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans quand tu vois que c'est pas ma vraie voix ? Que depuis, je sais plus, l'acte de BFM, j'ai pas retrouvé ma voix quand les mecs ils m'ont gazé pleine bouche. J'ai pas retrouvé ma voix. Bon, je m'amuse à gueuler en manif, mais j'ai pas retrouvé ma voix. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils foutent à l'intérieur. Et quand on voit le nombre de gens malades, faut vraiment se poser la question. Tu sais, on faisait à Bachar el-Assad qu'il attaquait son peuple à coups d'armes chimiques. C'est quoi les gaz ? C'est pas de la chimie ? Enfin, moi je dis ça, je dis rien les gars. Boycott des médias ? Non. Non. Parce que je le dis depuis le début. Il est bon de s'asseoir à la table de notre ennemi pour se voir de quoi il se repaisse. Et que de toute façon, vous voulez quoi ? Une chaise vide ?
se faire insulter de terroriste sans qu'il y ait personne qui ait les couilles de lui dire mais tu pars en couille mec, t'as pas à me traiter de terroriste. Non, je suis pas d'accord. Moi je laisse pas parler les cons. Il y en a plein qui disent qu'il faut laisser parler les cons. Mais moi je préfère les instruire. D'accord ? Et que si on se fait insulter sur un plateau télé et qu'il n'y a aucun gilet jaune pour répondre, tous ceux qui y croient vont y croire encore plus. Donc moi je ne boycotte pas les médias. J'y vais donner la parole, j'y vais donner ma parole et celle du mouvement pour être entendu. Et au moins se défendre face à toutes ces insultes que l'on prend. Faudrait-il demander la signature des députés et des sénateurs pour tout ce qui est pétition et demande du RIP, du RIC enfin... Ce sont des citoyens à part entière. S'ils veulent être à même de signer une pétition, qu'ils le fassent. C'est pas le fait qu'un député signe, c'est le nombre de gens qui signeront. Moi, je préfère avoir 4,5 millions de Français citoyens qui votent cette fameuse demande du RIP que d'avoir un bouffon de député qui la signera pour se faire de la pub. Hein. Est-ce que tu penses que le mouvement est en train de stagner? C'est une question que posent beaucoup de personnes. Ou qu'il va évoluer je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est la question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut partir du principe qu'on est parti sur un marathon, qu'il faut déjà fédérer pour pouvoir mieux construire et mieux structurer les choses. Donc forcément, dans chaque opération, des fois, tu as des moments un peu de latence comme ça, où il faut que les choses puissent reprendre. Voilà, c'est un travail de fond, c'est un travail de tous les jours. Et je ne pense pas qu'on va stagner, que de toute façon, si on n'arrive pas à avancer, on fera en sorte que lui n'avance plus. Aussi. Il garde le cap, on garde le nôtre. On n'a pas le même. Dissolution de l'Assemblée nationale? Ça peut être une solution, mais si c'est pour retrouver les mêmes, c'est peut-être pas la meilleure. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Dans l'absolu, ouais. Et on peut gagner pire. Que penses-tu de la dissolution de l'Assemblée nationale? Ah, pardon. J'avais vu passer où en est ton œil. Et hop. Ouais, ça te répond. Peut-être que c'est plutôt médical, sur l'aspect médical. Non, l'aspect médical, c'est fini. Parce que le protocole de sauvetage a échoué. Et là, on est sur un protocole esthétique. Donc, c'est de savoir si j'ai la possibilité de le garder ou de me l'enlever. Bah là, tu vois, on sort de l'hôpital. Pour l'instant, ça se présente bien pour que je le garde. Parce que j'ai pas envie qu'on me l'enlève. Parce que c'est super douloureux. Si j'en réfère à Jean-Marc à l'île de Léron qui a perdu son œil, pardon, qui était passé chez Ardisson, il m'a dit que c'était hyper douloureux. Donc, je reste un être humain, j'ai pas envie d'avoir mal. T'as pas envie d'avoir mal, ouais. Donc, c'est clair. Voilà. Maintenant, je vais sûrement avoir une prothèse. Voilà, on est sur un protocole esthétique simplement. Encore 2-3 questions et puis on va le libérer. Délivré. Pourquoi ne pas laisser la parole aux gilets jaunes non médiatisés? Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de réponse parce que c'est... Si, il y a une réponse. Si, t'as une réponse. Enfin, en tout cas, moi, j'arrête pas de leur dire que je ne suis pas le seul à parler, qu'il y a énormément de gens qui savent parler, qui ont besoin de parler, qui ont des sujets qui sont pas forcément, qui ont des connaissances sur des sujets que moi, je n'ai pas. Et moi, je me bats avec toutes les caméras, surtout pendant les manifs, que je ne suis pas le seul à être interviewé, qu'ils aillent voir d'autres gilets jaunes, parce qu'il y a d'autres gilets jaunes qui ont énormément de choses intéressantes à dire et à faire remonter. La preuve en est. Je parle avec les mêmes pendant les manifs. Donc je n'y peux rien. Au contraire, des fois, ils me saoulent parce que je fais que me répéter, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses très intéressantes à dire. N'hésitez pas, dans les manifestations, allez vous mettre devant une caméra, dire « moi, j'ai quelque chose à dire ». Si le journaliste fait bien son métier et qu'il est un peu conciliant, il vous fera parler. Soyez cordial, exprimez-vous bien et vous passerez dans les médias et vous pourrez passer votre message. Moi, tu sais... si j'écoute les médias, je passe tous les jours. Ben non, aujourd'hui, j'essaie d'en faire une par semaine pour pouvoir relayer une parole. Cette semaine, je fais Ardisson jeudi après-midi. Voilà, c'est la seule que je fais de la semaine. La semaine dernière, j'en ai fait qu'une seule. C'était BFM chez Apolline de Malherbe. Hormis quand on m'arrête dans la rue. Ou, oui, non, tu parles des plateaux, vraiment, oui. Tu vas en plateau. Voilà, d'accord. Mais tu vois, hier, il y avait plein de caméras, ils étaient tous à l'arrache sur d'autres. Moi, j'essayais de me faufiler, de me cacher. À un moment donné, j'y arrive pas, quoi. Je sais pas, ils doivent me reconnaître. Il doit y avoir un truc, la barbe. Il doit y avoir un truc qui fait qu'ils me reconnaissent. Mais, blague à part. Mais non, non, n'hésitez pas à aller donner de la parole aux médias. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein. Vous êtes là pour ça en même temps. J'ai pas vu ton message sortir. J'ai pas vu ton message, mais il y a beaucoup de monde, donc on fait ce qu'on peut. Je suis désolé.
Alors, as-tu le compte-rendu de Saint-Nazaire? Si oui, qu'en penses-tu? Saint-Nazaire, j'ai pas pu m'y rendre. J'attends d'avoir ce que j'appelle mon noyau dur. Je vais en avoir un. Bah, tiens, tout à l'heure, on m'a téléphoné. Je pense que c'est pour en discuter avec certains de mes proches qui ont pu y aller et d'avoir une remontée d'informations par rapport à ça. Parce que malheureusement, c'est un des seuls groupes avec qui j'ai pas discuté. Les gosses de la fête foraine. Et de quoi? La fête foraine, tu sais, les gosses qui se sont fait gazer l'acte dernier. Oh bah, si, avec eux. Non, mais c'est le dernier truc en date. Tu vois l'incompétence des forces de police et cette forte répression, tu vois. Parce que nous, on s'inquiète pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres qui croient pas en nous? Ah, bah, à cause d'eux, les enfants se font gazer. Alors que c'est de la faute à la police. C'est à eux de gérer. C'est à eux de gérer. D'ailleurs, moi, j'ai une idée pour les manifestations. J'ai une idée, j'en parlerai pas là pour pas qu'elle soit ébruitée. Mais j'ai une super idée pour les manifestations, je t'en parlerai tout à l'heure, comme ça tu le faire passer par le vent de la manifestation, mais qui a un rapport avec les enfants justement, mais des gamins qui sont fait gazer, des gens qui n'ont rien demandé à personne qui sont fait gazer, il y en a eu beaucoup. Mais ça c'est toujours dans cette politique de répression, celui qui n'a rien demandé à personne qui se fait gazer, il va encore plus mal le prendre le mouvement des gilets jaunes, et peut-être essayer aussi d'emmener des gens avec lui, t'as vu, à cause des gilets jaunes je me suis fait gazer. Ouais, c'est ça le message qu'on veut donner. C'est pas à cause des forces de l'ordre ou d'une mauvaise stratégie, c'est à cause des gens qui manifestent à côté. Si ils étaient pas là en train de manifester, eux, on n'aurait pas eu de gaz. C'est le même problème avec ceux qui ont été dire j'ai perdu mon commerce, on m'a cassé tel truc, je fais moins de chiffres parce qu'il y a trop les manifestations tous les week-ends, etc. Oh, arrête. Moi j'ai discuté avec plein de commerçants, il y en a beaucoup beaucoup d'artisans, commerçants ou autres petits patrons qui sont dans le mouvement, qui sont dehors dans le mouvement, qui font pas forcément partie du mouvement. J'ai encore discuté moi avec un, comment on appelle ça, celui qui travaille dans le bois. Enfin, menuisier. Non, pas menuisier, il coupe du bois, il vend des stères de bois et tout. Le mec, il a la rage, quoi. Faut savoir qu'un truc dans ce pays, en France, que quand tu crées ta société, que t'as même pas gagné un premier euro, que t'es déjà en train de payer des impôts, quoi. D'accord? Donc les petits commerçants, ouais, on doit faire chier certains quand on marche dans la rue pendant ce temps-là. Mais faut arrêter, hein. Moi on m'a dit quoi? On m'a dit que à cause des mouvements des gilets jaunes, les petits patrons avant Noël perdaient de l'argent et qu'Amazon allait se gaver. Amazon a fait moins de chiffres que l'année dernière. D'accord? Et on m'a dit quoi là? Il y a quoi? Il y a un mois ou deux? Le chômage a baissé? Nous sommes les fautifs d'une crise économique jaune en France et le chômage baisse. Faut qu'on m'explique. Pas très cohérent. Pas très cohérent. Tu sais, c'est comme un jour, Nunes, tu l'entends dire à la télé, des milliers de manifestants, et derrière, tu entends 4000 à Paris. Bah, les chiffres, on va même pas en parler, parce que ça... Non, mais on parle pas de ça. Non, mais tu sais, non, c'est pas ça. Des milliers, tu dis des milliers. Non, mais quand je dis ça, c'était, tu sais, les chiffres, le comparatif entre les chiffres qu'on te donne tous les week-ends, et puis ce que tu vois sur le terrain, c'est-à-dire, on n'en parle même plus, c'est du vu et revu, revu et revu, quoi. Et tu te rends compte, 22 000 personnes, c'est 3/4 d'un gilet jaune par ville en France. Arrêtez. Frexit? J'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis de. J'ai pas. Tu sais, je peux pas tout savoir et je peux pas avoir un avis sur tout, mais je suis prêt à écouter les avis des autres. Comment tu fais pour bosser dans tout ça? Bah, j'attends l'autorisation du docteur, à savoir que j'étais en reconversion plombier. D'accord? Donc à tous les réfractaires qui viennent me dire que je vis au crochet de l'État, soi-disant au RSA, j'ai jamais été au RSA de ma vie, d'accord? Comment te dire? Je travaille dans le monde de la plomberie, qui dit plomberie dit caca, et que j'ai pas envie de me prendre un bout de merde dans l'œil. Voilà. Et que de toute façon, pour l'instant, je peux pas conduire. Et quand on est plombier, il faut qu'on aille à droite à gauche avec un véhicule. Donc ces petites personnes là qui se permettent de mettre des petits commentaires de merde sur Facebook sur le fait que je vis au crochet de l'État, bah si tu dois te plaindre à quelqu'un, parce que oui j'ai coûté cher à l'État, forcément c'est la sécu qui me paye, mais c'est pas de ma faute, hein. Je me suis pas mis le doigt dans l'œil, hein. On m'a tiré dessus. Donc va te plaindre auprès de Macron, parce que c'est lui qui fait qu'en sorte qu'on coûte de l'argent là pour l'instant. Et puis les gaz lacrymogènes qu'on lance tous les week-ends, etc., les flics qu'on paye, ça coûte de l'argent aussi. Exactement. Ah oui, ça coûte un max de pognon, ça. Ça coûte un max de pognon. Dernière question. Dernière question. Qui va être le chanceux? Qui va être le chanceux? Penses-tu qu'on peut faire tomber le gouvernement si on fait des manifs 7/7 en permanence, s'il y a une pression permanente qui est maintenue? L'histoire nous l'a prouvé, hein. 95.
Moi, j'ai connu 95. Je parle souvent de cette date parce que les choses qui m'avaient marqué, c'est que je prenais le RER B pour aller au lycée. Que j'ai pratiquement pas pu y aller pendant un mois, au mois de novembre. D'accord ? Et que les rails du RER B rouillaient. Parce qu'il n'y avait aucun train qui passait. Et là, on avait un blocage total sur toute la France. Les routiers avaient foutu un sacré bordel. Et tu sais, pour faire un peu de référence à l'histoire, je l'ai déjà dit, en 95, c'était un routier qui a foutu le bordel. Si on reprend Drouet. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu vois ? En pensant à Drouet. Il s'appelait Tarzan, le mec. Une grande gueule. Mais qui a fait bouger les choses. La fameuse jupette, il voulait déglinguer les retraites. Et ça, tout s'est arrêté en France. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure dépression qu'il y a à mettre, c'est de tout bloquer, ne serait-ce que pendant un jour, la deuxième journée, la troisième journée, voire une semaine, et continuer. De toute façon, on est dans la merde. Tu sais, on nous dit qu'on est dans la merde. Moi, j'aime bien le délire des gens qui disent « on va vider les comptes en banque ». Ok. Allez, on va partir sur 20 millions de Français. 20 millions de rendez-vous. Déjà, samedi prochain, quand on va aller voir le banquier, on n'aura pas tous accès. Ça va être compliqué, ouais. Surtout qu'en plus, c'est presque plus personne physique maintenant dans les banques. Voilà. Il va t'emmerder pour pas les retirer. T'auras le droit à une somme minime. Tu vas prendre rendez-vous, tu l'auras que dans deux semaines. Oh les gars, sachez qu'en France, votre patron peut vous payer à hauteur de 1000 euros en fraîche. En espèces. Sonnante et trébuchante. Première chose, vous allez faire chier votre patron. Parce qu'il faut qu'il aille chercher l'argent à la banque. Lui-même va faire chier la banque. Parce qu'il va devoir recirculer des billets. Cet argent-là, tu le prends, tu le caches. Ils vont pas travailler avec. Tu le mets sous ton matelas. À la rigueur, tu remplis ton compte en banque pour payer tes traites. Mais c'est pareil. Tu veux plomber l'économie. Les banques se font de l'argent sur les crédits. Ne payez plus vos crédits. Je m'explique. C'est toujours la force du nombre. Hein. D'accord ? 30 millions de Français qui ont un crédit. Ils ne le payent pas pendant un mois. Maison, voiture. Allez, c'est parti. Premier appel. Vous n'avez pas payé votre crédit ce mois-ci. 30 millions de timbres. 30 millions de lettres. Deuxième rappel. Troisième rappel. On appelle un huissier. T'as 30 millions d'huissiers en France ? Non. Ils vont faire quoi ? Premier appel d'huissier. Deuxième rappel d'huissier. Après, il va falloir qu'ils se déplacent, qu'ils discutent. Les timbres. Toujours les timbres. Ils vont faire quoi ? Ils vont saisir 30 millions de meubles. Ça m'étonnerait. Réveille 30 millions de meubles fois le nombre de meubles que t'as chez toi. Surtout si tu as. Et puis il faut les déménageurs aussi pour les emmener les meubles. Hein. Il faut 30 millions de déménageurs. La force du nombre. Si aujourd'hui on a touché le fond de la piscine, on ne peut pas aller plus bas. On a payé pour les banques en 2008. On n'a rien reçu en retour. Reprenons notre argent. Ne les nourrissons plus à coups de crédit. Moi, je n'ai aucun crédit. Si ce n'est ma voiture, parce que tu peux pas aligner un prix de voiture comme ça. Mais moi, quand j'ai voulu une belle télé, quand j'ai voulu avoir une grande télé ou quoi, j'économise. Je paye cash. Et si je peux pas, bah, j'ai pas de télé. Et on vit très bien sans télé. D'accord ? Réfléchissez à ça. 30 millions de personnes sur un ou deux mois qui ne payent plus leur crédit. Je te jure que les banques, elles vont saigner du nez, mais d'une force. Et puis les assurances, tout ça. Tout simplement. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot ? Bah, la famille, on lâche rien. Et il faut qu'on aille au bout parce que, je l'ai dit hier, c'est notre dernier combat. Et si on ne gagne pas celui-là, on aura perdu pour pas mal d'années. Surtout avec ce qui nous prépare pour bientôt. Donc, restons actifs. Restons actifs et continuons de donner la voix parce que sinon, ça va être de pire en pire pour nous et surtout pour nos gamins. Bah merci beaucoup pour le temps que t'as pris, parce qu'en plus je viens de me rendre compte que ça fait 1h32 que je te retiens. Je vais vous remercier à tous pour votre présence, les commentaires, les partages, etc. Désolé pour le petit souci d'image, je me suis rendu compte un peu tard, on m'a dit, mais je me rendais pas compte que c'était vraiment si sombre que ça. Après je pense que la prise de son était bonne, etc. Donc vous devez bien entendre ce qui se passait, même si c'était un peu sombre. On a bougé un peu les choses après, mais en tout cas voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. De toute façon, il va y avoir d'autres choses qui vont être faites dans la journée, donc je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer. Je vous remercie encore une fois pour le temps que vous avez pris. Je te remercie toi Jérôme, personnellement. Et puis de toute façon, on se retrouve tous très bientôt sur Civicio. Merci beaucoup les amis. Et en manif. En manif.